Center. Je suis Elisa, je suis responsable du lieu pour la SACD. Avant toute chose, remercier l'ensemble des intervenants et des intervenantes qui ont accepté d'être à nos côtés autour de Gwenola David, directrice générale d'Arsena aujourd'hui, pour cette discussion. Merci évidemment à toute l'équipe d'Arsena, Gwenola et Dorothée pour l'organisation de ces rencontres qu'on monte depuis pas mal d'années. Vous dire, si vous devez poser des questions, surtout de veiller à parler dans le micro comme je viens de me battre pour le faire, parce que nous sommes précisément en live sur le Facebook de la SACD et d'Arsena. Donc il y a de nombreuses personnes qui le regardent à distance. Du coup, il faudrait qu'on puisse entendre vos questions. Et vous dire qu'on vous paye un café à l'issue de cette discussion. Voilà, à très bientôt, bon après-midi. Bonjour. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre dédiée à la question de la représentation. La troisième consacrée à cette question. Un grand merci à toute l'équipe de la SACD, à Elisa en particulier, qui sait chaque fois très très bien nous accueillir, avec laquelle on réfléchit de façon fructueuse pour concevoir ces rencontres. Donc nous allons nous intéresser aujourd'hui au lien entre représentation politique, dont on souligne qu'elle est souvent en crise, et la représentation dans le spectacle vivant, qui connaît elle aussi de profondes mutations, notamment quant à la relation avec les spectateurs. Alors pourquoi représentation théâtrale ou spectacle vivant et représentation politique? Parce que si on reprend les mots d'Anna Arendt, le théâtre est pour elle l'art politique par excellence. Le lien entre représentation politique et théâtrale, on le sait, est multiple. Il suffit de reprendre ne serait-ce que la mimésis, telle que définie par Aristote, qui bien sûr se décline dans la tragédie, mais plus largement dans le gouvernement de la cité. Et puis parce que représenter, si on prend une définition possible, parce qu'on verra que c'est un terme très polysémique, représenter, c'est rendre présente une chose ou une personne absente, mais c'est aussi être en représentation. Et c'est bien ce que font les acteurs et les actrices, mais aussi les politiques, qui ont besoin de la présence d'autres hommes, d'autres femmes, d'un public, pour que la représentation advienne. Et parallèlement, on peut observer que les créateurs bousculent les codes, les lieux, les temps de la représentation, que le spectateur change de statut, il est spectateur, il est expérimentateur, il est participant, et il y a de multiples formes qui sont aujourd'hui proposées sur les plateaux ou dans l'espace public ou ailleurs, formes immersives, interactives, partagées, augmentées. Donc on voit que les modalités de la représentation sont aujourd'hui bien diverses. Donc peut-on faire un parallèle entre la pluralisation des prétentions politiques à la représentation que nous observons aujourd'hui et ce qui se passe sur les scènes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos invités que je présente. Je commence par Noémie Fargier. Vous êtes chercheuse associée à TALIM, c'est-à-dire une unité de recherche qui dépend de l'Université Sorbonne Nouvelle. Vous êtes également autrice et metteuse en scène. Vous êtes docteur en études théâtrales. Votre thèse portait sur les expériences sonores dans le spectacle vivant contemporain et la relation scène-salle qu'elles mettent en jeu. Vous êtes également spécialisée dans les dramaturgies contemporaines et avez publié plusieurs articles qui questionnent le rôle des dispositifs audiovisuels dans les expériences sensorielles. Votre voisine n'est autre que Maya Rico, autrice, metteuse en scène, comédienne, directrice artistique de la compagnie Les Chiennes Nationales, que vous avez fondée en 2010. Alors vous avez commencé très jeune, puisque vous avez 14 ans quand vous vous lancez dans vos premiers spectacles activistes. En 92, vous organisez votre première manifestation contre le tunnel de Somport, avec votre tante, je crois. Et puis, vous poursuivez votre chemin, vous côtoyez le FUN, une des compagnies pionnières des arts dans l'espace public, avant de rejoindre l'atelier Volant au Théâtre de la Cité de Toulouse, donc d'entamer un parcours plus classique de comédienne
sur scène. Vous expérimentez ensuite des lectures itinérantes, parce que vous avez un goût fou pour la littérature. Vous fondez donc votre compagnie. Et puis, tout récemment, vous avez créé « Ce que la vie signifie pour moi » d'après le texte de Jack London. Et donc, c'est aussi une occasion d'écrire avec le public une aventure politique et de remobiliser aussi les outils de la participation politique. Je continue avec Joris Mathieu, auteur, metteur en scène et directeur du théâtre Nouvelle Génération, Centre Dramatique National de Lyon. Vous avez fondé la compagnie Haut et Court en 1998. C'est une compagnie qui rassemble une équipe fidèle d'artistes, interprètes et de créateurs techniciens. Ça, c'est important parce que vous avez un art qui mixe les technologies très, très développées. Et vous proposez un théâtre d'anticipation donc, qui intègre les technologies numériques au service d'œuvres, on va dire, sensorielles, poétiques, dont la caractéristique est de proposer une relation singulière avec chaque spectateur. Et c'est un théâtre très en prise avec ce que l'on vit aujourd'hui, mais qui repose souvent sur des récits d'anticipation. C'est une façon aussi de savoir un peu où on est. Vous êtes aussi l'organisateur du festival Micromonde. C'est un festival de spectacles vivants multimédia dédié à la création contemporaine et en particulier aux formes artistiques immersives. Je continue avec Yves Saint-Omer, professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 8. Vous êtes chercheur, docteur honoris causa de l'Université de Liège, mais aussi membre associé aux universités d'Oxford et de Neuchâtel. Vous avez publié de nombreux articles et ouvrages sur la question démocratique, sur la sociologie en France et en Allemagne, ainsi que sur la représentation politique, avec notamment deux numéros thématiques que j'ai lus avec beaucoup d'intérêt, la représentation incarnation et repenser la représentation politique. Je crois qu'on va être au cœur du sujet. Je termine avec Valérie Suner, metteuse en scène et directrice du théâtre de la Poudrerie depuis 2011. C'est une scène conventionnée art et territoire basée à Sevran, qui a la particularité de proposer des projets culturels qui tissent un lien social particulier avec les habitants. Et puis, donc, vous avez aussi un travail de mise en scène très actif. Vous avez récemment mis en scène Une de perdue. C'est une pièce de l'auteur Dorothée Zumstein, écrite à partir d'interviews de travailleurs sociaux, de psychologues sur le thème de la prostitution des mineurs. Et puis, vous animez aussi une biennale des arts participatifs. Donc on voit que nous allons pouvoir aborder cette question de la représentation par de multiples facettes. Mais avant de passer la parole aux uns et aux autres, je pense que c'était important de revenir tout simplement à la définition des mots, parce qu'on a vu juste dans l'introduction très rapide que j'ai faite, que le mot représentation pouvait avoir plusieurs sens. J'en ai cité au moins deux, mais il y en a bien plus. Et il me semble absolument indispensable pour conforter notre outillage intellectuel et aborder cette question des mutations de la représentation, eh bien de revenir aux matrices conceptuelles qui forgent la polysémie de ce terme. Donc je me tourne vers Yves Saint-Omer, puisque vous avez travaillé beaucoup sur les définitions de cette notion de représentation, presque en linguiste, puisque vous êtes revenu à l'étymologie, et notamment aux étymologies latines. Est-ce que vous pouvez nous dessiner, évidemment, à grands traits, ces lignes directrices permettent de se repérer dans les différents sens que peut revêtir le terme « représentation ». Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement... Je pense qu'il faut parler plus comme ça. Comme ça. Alors, effectivement... surtout dans un débat comme celui qu'on va avoir, où on va croiser la représentation politique, la représentation dans les arts du spectacle, il est important de prendre un peu de distance avec les mots qu'on utilise couramment et qu'on utilise finalement sans songer à leur ambivalence. Et dans la langue française, mais aussi dans pas mal de langues néo-latines, l'espagnol, le portugais, en l'occurrence aussi l'anglais, mais curieusement pas l'italien, on a, avec ce mot de représentation, rassemblé deux grands ensembles, deux grandes matrices qui, dans la plupart des autres langues,
n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ne se disent pas avec les mêmes mots, ni même avec les mêmes racines. D'un côté, je suis politiste, donc je vais commencer par là, la représentation, c'est le fait de pouvoir avoir la possibilité, ou en tout cas de réclamer cette possibilité, de la revendiquer, de parler au nom, à la place de quelqu'un d'autre, d'un groupe, d'incarner ce groupe. Et de l'autre côté, dans la représentation théâtrale en particulier, la représentation, c'est la production de symboles, d'images, d'idées sur le monde, sur les personnes. Représentation qu'on pourrait dire symbolique. Alors, d'un côté, évidemment, il n'y a pas de représentation politique au sens d'un président de la République, d'un mouvement social, de députés, sans aussi projeter des images sur ce qu'est la société, sur ce qu'elle devrait être, sur ce qu'est le monde, sur ce qui devrait être. Mais l'inverse n'est pas vrai. Dans la représentation théâtrale, on n'a pas forcément une délégation, la prétention d'incarner un groupe. Et du coup, ces deux sens-là, la représentation qu'on pourrait dire juridico-politique et puis la représentation symbolique, artistique, ne sont pas du même ordre. Et puis après, on pourrait multiplier aussi les sous-divisions. Par exemple, en politique, depuis des siècles maintenant, il y a eu deux grandes prétentions à la représentation politique. D'un côté, on peut dire « j'ai eu un mandat », et notamment dans nos sociétés, un mandat électoral. On peut parler au nom de la France parce qu'on a été élu président de la République. Ou alors on peut dire « j'incarne un groupe ». Prenez les Gilets jaunes, ils n'avaient pas eu de mandat, et pourtant, ils incarnaient ou prétendaient incarner une partie de la France, une partie du pays, la France périphérique, comme on a dit souvent. Et puis, du côté de la représentation symbolique, ce n'est pas exactement la même chose chez un acteur ou une actrice qui va incarner un rôle, qui va du coup renvoyer à une signification, à un texte, à un autre auteur, à une autrice qui n'est pas présente, qui va être rendue présente à travers l'acteur, l'actrice. Et puis, un responsable ou une responsable politique qui va avoir aussi, quelque part, ce travail sur l'acteur, d'acteur, mais qui en même temps incarne son propre rôle. Il n'incarne pas un personnage qui ne serait pas lui ou elle, il incarne son propre personnage. Et ça fait aussi une différence. Après, on pourrait aussi multiplier les choses, mais je crois que ici en particulier, une dimension est assez intéressante. La représentation, ça peut aussi être un acte de la personne qui représente. Et puis, ce qui est représenté n'est pas actif, n'est pas présent. Ça peut être vrai dans la représentation politique où très souvent, je ne sais pas, penser à notre président de la République qui, quand il a fait la réforme des retraites, finalement l'imposait contre une majorité de la population, contre les syndicats, contre la rue, y compris contre une majorité de l'Assemblée. Et donc, du coup, une fois qu'on est représentant, on fait ce qu'on veut. Ou alors, il y a une représentation plus participative où on essaye en permanence que les personnes représentées puissent participer. Je crois que ici, mais je vais laisser la parole à mes collègues, eh bien, dans les arts du spectacle aussi, on peut avoir un public qui soit, disons, seulement à l'écoute, seulement spectateur, spectatrice, ou un public plus participant. Donc, si je suis bien ce que vous nous avez dit, hein, et donc il y a plusieurs axes. Une représentation symbolique qui peut vouloir dire la présentification de l'absent. Hein, c'est la façon dont un acteur, une actrice va incarner un personnage qui n'est pas là. Mais c'est aussi en politique la façon dont on se représente. C'est-à-dire il y a représenter quelque chose ou quelqu'un et puis se représenter, qui est intransitif cette fois-ci, comme le pouvoir se représente. Et d'ailleurs, en se représentant, souvent, il constitue la communauté, puisqu'il dit, voilà, moi, je suis vos représentants. Et donc, il y a un rôle éminemment aussi actif de cette représentation-là. Et puis, si on prend ce que vous avez appelé la représentation juridico-politique, il y a cette représentation mandat, c'est-à-dire je donne mon mandat à une personne qui va agir en mon nom.
Et puis, il y a ce que vous avez appelé l'incarnation, c'est-à-dire un mandat incarnation, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent représenter le peuple, c'est les fameux gilets jaunes, c'est les fameux nous sommes les 99%, c'est-à-dire que une partie de la population représente le tout. Donc il y a ces deux axes qui ne se superposent pas. Et il y a aussi ces notions de représentation, imitation, représentative. Parce que quand on parle de cette crise de la représentation, il y a aussi quelque chose qui a à voir avec une crise du représentatif. Comment est-ce que vous analysez justement cette crise de la représentation ? Le représentatif, ça peut découler d'une procédure légale. Il y a eu une élection, puis voilà, la personne représente parce qu'elle a gagné l'élection. Mais il y a un autre sens en politique qui est plus, disons, sociologique ou statistique, c'est qu'un Parlement, par exemple, soit à l'image du pays. Et l'une des critiques souvent entendues aujourd'hui, émises par les citoyens, c'est dire que finalement, leurs représentants ne leur ressemblent pas, ne s'intéressent pas à leurs propres problèmes et qu'ils sont pris dans une sphère finalement assez lointaine, avec des jeux qui ne les concernent guère ou qui les concernent de moins en moins. Donc, cette crise de la représentation, elle a cette dimension de finalement, il n'y a que peu de correspondance et une mauvaise communication entre le monde des représentés et celui des représentants. Et puis il y a aussi les formes qui permettent cette représentation politique, et en particulier, il y a quelle procédure pour désigner des représentants. Jusque-là, dans un pays comme la France, classiquement, l'élection était l'axe central, mais souvent aujourd'hui, beaucoup de gens ne votent plus, ou alors ils votent pour le moins pire ou la moins pire, et pas pour vraiment les idéaux. Et puis, la multiplication des fake news, les stratégies de communication médiatique font peser un soupçon sur est-ce que ce jeu de la représentation, il est honnête. Et l'ensemble de ces évolutions contribuent à cette crise de la représentation. Vous montrez aussi dans vos écrits qu'il y a plusieurs finalement prétendants à la représentation, c'est-à-dire qu'il y a les représentants élus, il y a les représentants autodésignés qui disent représenter l'intérêt des vrais gens, l'intérêt des parce qu'ils sont représentatifs, eux, de ce que vivent la situation. Donc on a une concurrence finalement dans ces notions de représentation. Oui, il n'y a jamais une seule forme de représentation, mais j'imagine que dans le théâtre ou dans les arts du spectacle, en général, il en va de même. Il y a plusieurs manières de représenter. Et donc la représentation, ce n'est jamais un donné, un acquis, une bonne fois pour toutes. C'est toujours une prétention, une tentative. Et ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Et d'ailleurs, dans notre pays, on voit bien maintenant, depuis un certain nombre d'années, qu'à peine élu, les présidents de la République, les premiers ministres sont contestés, les premières ministres sont contestés très rapidement. Et que donc, cette prétention à représenter politiquement un pays, les citoyens, peut être contestée, y compris par des gens qui ne sont pas élus. Je reviens sur l'exemple des Gilets jaunes. Ça a tout de même secoué énormément le premier mandat d'Emmanuel Macron. Et pourtant, ces gens-là n'étaient pas élus, ils se représentaient eux-mêmes, ils incarnaient autre chose et ils disaient finalement, vous ne nous représentez pas. La représentation pose évidemment la question du spectateur. On reprend toujours la célèbre phrase de Peter Brook, pour que l'acte théâtral existe, il faut qu'un homme passe et qu'un autre le regarde. Et on pourrait dire aussi, en paraphrasant Denis Guénoun, qui parlait dès 2002 de la crise de la condition spectatrice, il parlait de cette crise en disant finalement, l'époque de la consommation théâtrale est épuisée, les gens n'ont plus envie de simplement être dans la contemplation esthétique de ce qui leur est présenté. La fonction scopique, c'est-à-dire uniquement rester dans le voir, ne peut plus satisfaire leur,
leurs désirs. Et d'ailleurs, en faisant ça, en s'enfermant dans une dimension purement esthétique et en enfermant le spectateur dans cette position de voyeur, eh bien, le théâtre manque cette dynamique profonde qui est la sienne. C'est vrai que si on reprend le terme de spectateur, on a une connotation très passive qui se dégage, puisque le spectateur, c'est à la fois le témoin oculaire d'une action ou d'un événement. Enfin, là je lis le petit Larousse. Hein. La personne qui va assister à une cérémonie publique ou une manifestation sportive ou un spectacle, ou c'est encore une personne qui se contente d'observer et ne participe pas à l'action. Donc, on voit bien qu'à cet endroit-là, il y a un frottement qui donne lieu à de nouvelles expérimentations. Alors, je vais me tourner vers Valérie Sunner, puisque vous avez développé donc au sein du théâtre de la Poudrerie du théâtre d'abord à domicile et puis des grands projets participatifs qui amènent à changer la relation au spectacle en changeant aussi le statut du spectateur. Alors je reprendrai Auguste Boal, c'est le spect-acteur, mais au-delà de cette évocation, pourquoi vous êtes lancé finalement dans ces démarches artistiques participatives? Quelle était l'ambition que vous poursuiviez et comment ça se passe? Alors, d'abord, il y a 13 ans, donc, quand j'ai créé le théâtre de la Poudrerie au tout départ avec Alain Grasset, on est parti d'un constat, voilà, que 85% de la population française ne va pas au théâtre. Donc on s'est dit comment on va faire pour inverser la tendance. Et bien, si les gens ne vont pas au théâtre, et surtout quand on est arrivé à Sevran, donc, qui est une ville de la Seine-Saint-Denis, hein, 55 000 habitants, une des villes les plus pauvres de France qui n'avait pas de théâtre. Donc ces 85% étaient tout à fait vérifiés. On s'est dit, si les gens ne vont pas au théâtre, surtout qu'il n'y avait pas de théâtre, on n'avait pas de lieu, d'ailleurs on n'en a toujours pas réellement, on va aller chez les gens. Donc on a commencé à faire 45 représentations la première année, 75, 150, etc. Et mais ça a été très compliqué parce que les gens n'avaient un peu, enfin, nous demandaient pas de venir. Hein. Donc il a fallu vraiment établir une relation de confiance et pour rentrer dans les domiciles avec des créations de qualité, avec des artistes du réseau national, etc. Et ensuite, ça a été comment faire pour réunir tous ces habitants qu'on a rencontrés dans des villes différentes, dans des quartiers différents, qui sont de sociologie, enfin d'origines différentes, etc., autour de grands formats qui peuvent être effectivement sur scène, sur un plateau assez classique, mais aussi en espace public ou dans une usine ou dans tout un tas de lieux non dédiés. Et ça a été, le postulat, ça a été d'inverser la place du spectateur et d'inclure le spectateur dans le processus de création. Depuis cinq ans, en plus des artistes et des habitants, dans le processus même de création, on a aussi inclus des personnes qui œuvrent dans d'autres champs disciplinaires, ce qui permet d'ouvrir encore plus à d'autres publics. Par exemple, on a commencé à travailler avec des sportifs, mais aussi avec des scientifiques, avec des chercheurs, des sociologues, etc. Et du coup, à la fois les formes de représentation s'en sont trouvées absolument changées, puisque quand on fait un spectacle à domicile, par exemple, puisque toutes les créations maintenant au Théâtre de la Poudrerie sont exclusivement participatives et incluent les habitants à l'intérieur sous des formes diverses et variées. Mais les formes, si elles sont à domicile ou si elles sont dans l'espace public, par exemple sur le canal de Lourdes, qu'on a travaillé beaucoup, notamment avec des sportifs, les formes évidemment de représentation sont tout à fait variées. Alors qu'est-ce que ça change dans ce rapport avec le public, le fait de les inclure comme des co-auteurs au fond, le statut qu'ils ont dans cette
démarche participative, parce que il y a plusieurs façons de participer. Hein. Il y a, pour reprendre Joël Zaks, hein, prendre part, apporter une part, recevoir une part. On a plusieurs statuts de la participation. On peut être simple figurant, on peut être co-auteur. Enfin, comment vous envisagez finalement la place qui est donnée aux habitants, puisque c'est principalement avec les habitants que vous travaillez? Alors, c'est très long, puisque nous, ça fait 13 ans qu'on travaille là-dessus, et donc les formes de participation sont extrêmement différentes. J'ai échangé dernièrement avec Jean-Pierre Sévos, qui dirige le collectif S-Composition, avec qui on a travaillé avec l'équipe avec Bruno Latour, avec un collectif, le collectif Ouaterrir, qu'a mené Bruno Latour. Et on se disait qu'on divisait un petit peu peut-être les formes de participation dans nos expériences communes, en trois. Il y a les formes, tout à l'heure vous parliez d'une de perdue, il y a Dorothée Zumstein qui vient d'arriver, qui est autrice, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Et par exemple, avec Dorothée, quand on fait des spectacles à domicile, mais on travaille avec vraiment beaucoup d'autres équipes artistiques qui tournent dans le réseau national avec ces créations, eh bien, Dorothée et moi, par exemple, on fait un gros travail d'enquête, de rencontre, d'interview. D'ailleurs, il y a Julie Chauvin qui a fait qui nous a suivis. C'est assez intéressant comme documentaire, et on voit tout le processus. Eh bien, là, par exemple, ça va être vraiment de l'interview sur une de perdue, sur la question de la prostitution des mineurs, par exemple. Effectivement, on a été rencontrés à la fois des pédopsychiatres, des assistantes sociales, des animateurs de rue, des professeurs, des jeunes directement touchés par ces problèmes-là, bien sûr, des parents, des familles, à la Et donc, c'est un travail quasiment d'investigation, comme pourrait le faire un journaliste. Sauf qu'après, ça, c'est le travail qu'on fait toutes les deux, sauf qu'après, Dorothée va mettre Dorothée Zumstein, donc, qui est autrice, va mettre vraiment cette matière sous une forme poétique. Voilà. Donc, ça, c'est une forme de participation. Après, on a une autre forme de participation où on va avoir, par exemple, les habitants qui vont être sur scène. Et donc là, on travaille à partir de soit, je ne sais pas, Pina Bausch, par exemple, a beaucoup travaillé sur ça, ou à partir de, ça se fait beaucoup en danse, à partir d'improvisation. Et après, l'artiste va tailler à l'intérieur de ce qui est proposé par ses habitants, par ces personnes qui participent. Et ça va être complètement structuré à l'intérieur de l'œuvre. Voilà. Et une troisième forme de participation qui va inclure à la fois la présence des habitants, leurs paroles, leur point de vue, mais aussi qui va inclure, et ça c'est des choses qu'on expérimente avec S-Composition, par exemple l'équipe de Bruno Latour avec qui on a beaucoup travaillé, et où on va inclure aussi les habitants dans le processus global d'assemblage et de construction de l'œuvre. Donc c'est un peu à trois, si on divise grossièrement, on va avoir ces trois types de participation. Ça veut dire que l'artiste, là, ne parle pas pour, il parle avec. L'artiste parle avec. Par exemple, on a fait pendant plusieurs années, pendant 4 ans, tout un travail, comme je l'évoquais un tout petit peu tout à l'heure, avec des sportifs sur le canal de l'Ourcq, parce que bon, on nous a incités à travailler avec. On part tout le temps des problématiques du territoire. Évidemment, on a les Jeux Olympiques, Paralympiques qui arrivent sur le territoire. Pendant 4 ans, on a travaillé dessus, et cette année, on va pas travailler dessus. C'est un peu un acte, je sais pas si c'est un acte de résistance, mais bon. Donc, en tout cas, ça nous a permis d'ouvrir un champ d'expérimentation où on a travaillé avec les sportifs, qui, notamment les kayakistes, qui travaillent sur le canal de l'Ourcq. Et nous, ça nous a permis de comprendre que le canal de l'Ourcq, par exemple, était perçu comme un lieu frontière à l'intérieur de la ville, entre les quartiers pavillonnaires et les quartiers prioritaires. Donc on s'est dit, on va essayer que ce lieu soit un bien, qui devienne un bien commun, un bien de patrimoine, comme on le dit dans les droits culturels, de réappropriation. Donc on a travaillé au fait de se réapproprier ce lieu et que ce lieu devienne un lieu de convergence. Donc on a travaillé avec des plasticiens,
par exemple, où on a fait tout un tas de cartographies, de travail symbolique, artistique, de représentation du territoire, de trajets vers ce canal, et où on a organisé une grande parade pendant 4 ans qui prenait des formes très différentes. Par exemple, ça, on l'a co-construit avec des éminemment, enfin, au centre avec ce club de kayak, de kayakistes, avec qui vraiment on a imaginé, on a fait la conception, et ça a été hyper difficile parce qu'on n'était pas au même endroit. On a le même pour un même mot, par exemple, ça va pas désigner la même chose. Et tout d'un coup, le lieu de représentation, c'était plus une scène, c'est pas un endroit où moi j'étais à l'aise, c'est un endroit où les sportifs, les kayakistes en l'occurrence, étaient eux à l'aise. Donc il a fallu qu'on se déplace. Il y a la question du déplacement pour regarder du point de vue des autres, avec le vocabulaire des autres, avec leur approche particulière du territoire. Et donc c'était avec eux qu'on a co-fabriqué. Il y a eu des choses où moi j'ai dû beaucoup me déplacer, où je n'étais pas d'accord, où je n'avais pas envie d'aller vers eux. Mais il y a une question de coopération, ça revient aussi dans la question des droits culturels. Et là, la question de la coopération, c'est en même temps essayer de ne pas faire un son et lumière, moi qui ne m'intéresserait pas du tout, mais d'écouter les personnes qui sont avec nous. Et donc, on a travaillé avec ce club, avec ce club de kayak, mais on a travaillé aussi avec des associations de part et d'autre, où on a mélangé des gens des quartiers populaires, des quartiers pavillonnaires, qui n'avaient pas du tout les mêmes points de vue. C'est des communautés, des groupes qu'on a mis aussi, qu'on a confrontés. On a travaillé avec des personnes en situation de handicap mental. Il a fallu se déplacer énormément, à plein d'égards. Et est-ce que cette expérience, finalement, qui va confronter différents points de vue, mais comme ça pouvait se faire dans la communauté même politique au Moyen-Âge, où les administrations n'étaient pas gouvernées par représentation, mais finalement, où la palabre, où on va arriver à un consensus, est-ce que à travers ce processus, d'une part, les différents habitants, dans leur diversité, se sentaient mieux représentés et plus concernés par ce qui se joue au théâtre? Et est-ce que vous avez le sentiment que ça a contribué à créer au moins la possibilité d'un dialogue? Ça a éminemment fait qu'il y a eu la construction d'un dialogue, puisqu'on a vraiment mélangé dans ce projet particulier, par exemple autour du canal de l'Ourcq, vraiment on a fait que à la fois des habitants des quartiers... c'est dingue, c'est au sein d'une même ville. Le canal de l'Ourcq, des quartiers où les gens ne se fréquentent pas, ne se parlent pas, n'ont pas les mêmes points de vue, n'ont pas les mêmes points de vue sur le rapport homme-femme, sur les questions politiques, sur le rapport à l'écologie, sur le rapport au territoire, sur le rapport au canal. Et bien oui, quand on co-construit ensemble et qu'on prend la peine d'écouter tout le monde, c'est vraiment, il faut beaucoup d'humilité, de travail, de par tout le monde, hein, mais c'est un travail colossal, et bien ça fait que chaque année, il y avait de plus en plus d'habitants qui ont participé, de plus en plus. Et c'est devenu très gros. Même la dernière année, là, en septembre, on avait du mal à maîtriser l'engouement, en réalité. C'est retrouver du commun, comme on pouvait avoir dans les fêtes populaires, mais parce que les gens étaient... on a 100 nationalités d'origine à Sevran. C'est un chouette lieu d'expérimentation. Et c'est retrouver du commun, comme on avait dans les quartiers, dans les villages, etc. Et dans un endroit où il n'y a pas ce commun, à la base. On reviendra sur l'impact politique que peuvent avoir ces expériences esthétiques, cette construction particulière d'une communauté artistique, même éphémère. Je me tourne maintenant vers Maya Rico. Donc vous avez, par exemple, vous avez créé tout récemment, je le disais tout à l'heure, « Ce que la vie signifie pour moi ». Donc c'est d'après un texte de Jack London qui revient sur son parcours et qui raconte son enfance, on le sait, dans la misère. Puis tout d'un coup, sa reconnaissance et son ascension fulgurante. Et puis, il choisit de retourner à sa vie d'avant, à une vie modeste. Et c'est donc aussi toute une réflexion sur l'élite, les comportements de l'élite, la question politique. Dans cette création, vous proposez aux spectateurs d'être au centre de l'espace de jeu. Et puis, il y a une mise en
une mise en action du public qui va de pair avec toute la réflexion politique que vous menez, et notamment sur la façon dont on s'engage ou pas. Comment est-ce que justement vous êtes arrivé à cette démarche, puisque au départ vous étiez parti de l'atelier volant, donc plutôt une scène théâtrale classique. Vous avez certes fréquenté le FUN, je le disais tout à l'heure, qui est une compagnie historique des arts de la rue, qui invente des cosmogonies à chaque fois très singulières. Et là, donc vous avez mis encore plus le public à contribution. Alors déjà pour commencer, vous avez omis de dire qu'à 12 ans, j'avais monté Ça coûte cher le téléphone avec une magnifique chorégraphie de Johnny Clegg. C'était important de dire ça. Et ensuite, pour dire que quand vous avez demandé justement de devoir parler de nous en 1100 signes, je me suis dit, mais comment tu parles de ton histoire en 1100 signes ? Et finalement, je me suis dit, ah oui, en fait, je pense que ce qui marque aujourd'hui, donc j'ai 45 ans, c'est finalement l'histoire dans laquelle m'a mise ma famille, qui est une histoire très forte d'éducation populaire, voilà, de lieux qui ont été montés comme la Maison des Femmes. Et donc, quand je parle du tunnel du Sans-Port, c'est parce que c'est ma première grosse manifestation écologique, puisque c'était le tunnel qui reliait la France à l'Espagne, qui a été détruit. Il y a tout un écosystème qui a été foutu en l'air. Et en même temps, on fêtait la mort de Jacques Ellul. Je ne sais pas si vous connaissez ce grand bonhomme absolument génial qui devient enfin à la mode aujourd'hui. Bon, bref, pour dire que je pense que je ne suis pas arrivée au théâtre comme ça par hasard, et que presque c'était un accident d'être à l'atelier volant. Qui fut une formidable expérience, notamment parce qu'on a énormément travaillé sur Pasolini, qui fut pour moi une très grande joie poétique, artistique et politique. J'ai après travaillé avec d'autres metteurs en scène dans le théâtre, mais je me suis rendu compte, en tout cas, que pour moi, ce n'était pas l'endroit de ma joie. Et comme on n'a qu'une vie, autant être joyeux. Et donc, j'ai essayé de trouver qu'est-ce qui, moi, me parlait et me donnait envie. Et c'était effectivement le théâtre, puisque c'est pour moi mon moyen de communication. Et comment le travailler avec des gens que j'avais envie de rencontrer. Donc, travailler notamment pendant très longtemps dans les prisons, dans les maisons de détention, dans les centres sociaux. Enfin, voilà. Donc, au sortir de l'atelier volant, il y a eu vraiment cette envie de se poser la question de pourquoi moi, en tout cas, j'avais envie de faire du théâtre, et qu'est-ce que j'avais envie de raconter avec ce moyen-là. Ce moyen-là comme une sorte de matière, pas plus, comme une sorte de forme artisanale. Voilà. Parce que ça aussi, pour moi, c'était important. C'est-à-dire que pour moi, quitter le théâtre, c'est-à-dire le lieu, l'espace théâtral, comme on me l'a appris, c'était aussi quitter un esthétique, c'était aussi quitter en tant que femme toute une demande qu'on demandait, c'est-à-dire de notions de beauté, de notions de rôle qu'on donnait. Et donc une colère quant à 23 ballets, en tout cas pour moi, de dire que vraiment c'était quelque chose qui m'insupportait, que finalement ce que le théâtre racontait, c'est-à-dire les œuvres qu'on mettait sur le plateau, c'était tout ce qu'on ne vivait pas nous dans le travail. C'est-à-dire au niveau relationnel, au niveau hiérarchique, au niveau des corps, de tout. Donc pour moi, c'était juste impossible. Et donc le retour à la rue, et j'adore dire la rue et pas l'espace public, qui pour moi ne veut rien dire. La rue, parce que c'est quelque chose, c'est un espace citoyen et tellement encore, oui, qu'on peut encore prendre joyeusement. Enfin, on essaye. Donc voilà, bon, c'était juste pour dire ça, parce que je pense que c'est vraiment là aussi que c'est venu le fait de prendre aussi cet objet-là, l'objet littéraire, et de l'adapter pour la rue. C'était aussi une forme de philosophie populaire, et de se dire que finalement le livre, c'est comme le théâtre de rue, c'est dans ma tête, en tout cas pour moi, c'est qu'un livre, tu l'as dans la poche, ça peut servir de cale s'il y a une table branlante, c'est génial. Et bien finalement, je crois que ce qui m'a plu, c'était, pour parler de Grotowski vers un théâtre pauvre, où c'était comment, en fait, avec rien, puisque c'était mon choix, je ne voulais pas avoir de décor, ou en tout cas, ce qui serait sur scène, sur le lieu de jeu, ce serait que d'une nécessité. Ça sera mon mode aussi d'écriture. Voilà.
pour ce qui est la vie, ce que la vie signifie pour moi, c'est parti d'une question somme toute assez simple. C'était mais est-ce que la gauche existe encore? Donc c'était assez joyeux de demander aux gens dans la rue. On cherche la gauche, est-ce que vous l'avez déjà vue? Est-ce que vous l'avez vue passer? Et les gens disent, bah là, vous allez tout droit, à gauche, tout droit. Puis là, il y a une impasse. Bon, bref. Et donc, ça, c'était assez joyeux. Et donc, c'était en fait comment partir de ce texte-là, qui venait aussi d'un constat de comment moi, en tout cas, ma génération, il me manquait une sorte de mentor, quelqu'un que tu as envie d'écouter et de suivre. Et que tout d'un coup, ce texte, c'était waouh, ça fait trop du bien. Après, c'était quand même très... comment dire, un peu, on va dire, quand même, à la Jack London, donc un peu donneur de leçons ou quoi, et que moi, je ne voulais absolument pas être dans cet endroit-là avec les spectateurs, et que je me suis dit, je ne peux pas dire ce texte comme ça, sinon j'ai vraiment l'impression d'être le prédicateur de la nouvelle gauche, ce n'était pas possible. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive juste à prendre ce texte à l'endroit où je suis, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement maladroit, qui moi-même ne sait même pas si je suis une artiste, mais plus en tout cas sur une amatrice, dans le sens qu'il y a le mot amour dedans et que c'est à cet endroit-là de joie et du vivant que j'ai envie de prendre ce travail-là. Et donc d'essayer de réfléchir de plus en plus, parce que je commence à peine à comprendre comment je travaille. Donc je crois que j'aime de plus en plus, on va dire, c'est d'essayer de faire une écriture qui est une écriture à trous, une écriture cabossée qui permet que les spectateurs qui sont avec nous puissent trouver des failles, des endroits où eux-mêmes peuvent prendre la parole sans qu'on leur demande de la prendre, puissent en tout cas réagir, mais sans que ça soit forcément une demande, puissent autant nous aimer que trouver qu'on est à chier. Et que je le dis vraiment comme ça, parce que je pense qu'en fait, on nous a tellement appris en tant que comédiens à être absolument des performeurs. On nous a appris à avoir une palette de jeux absolument incroyable, de se mettre dans la lumière, et que finalement, c'est aussi politique de réfléchir à comment on nous a mis en scène, comment on nous a fait travailler sur un plateau. Et que ça aussi, pour moi, c'est une question extrêmement intéressante de comment demander à ces comédiens de ne pas apprendre leur texte, de apprendre à faire des bides, de laisser l'interruption et le temps pour que les gens qui soient en face puissent ou pas intervenir, mais sans être dans une sorte de... Vous me dites si je suis trop longue, hein? Non, voilà. C'est tout à fait passionnant parce que ça retrace votre démarche. Alors moi, la question qui brûlait les lèvres, c'est que finalement, dans cette écriture à trous, hein, comme vous le dites, il y a une place vraiment pour une interactivité des spectateurs. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, on peut ou pas d'ailleurs réagir, on peut ou pas participer. Parce que vous proposez, par exemple, la construction d'un vaste édifice. Alors, la scénographie est modeste, mais il y a quand même 5000 plaquettes, petites pièces de bois d'un immense caplat qui va donner lieu à une construction collective. Donc, on est sur une autre modalité de participation que celle que décrivait Valérie Sunner, puisque là, il y a une trame, une écriture, un spectacle qui est proposé et qui... finalement se construit dans sa forme finale dans l'interaction active avec le public. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple interaction où les spectateurs vont construire le sens du spectacle dans leur réception et donc chacun va pouvoir rêver et finalement faire la représentation dans sa tête. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus actif, mais qui renvoie aussi à cette question que vous posiez au départ, c'est-à-dire où est la gauche, où sont les militants de gauche, d'une certaine façon. Ce qui est intéressant dans cette forme-là, donc, c'est-à-dire qu'en fait, le spectacle... pour les rares personnes dans la salle qui ne l'ont pas vu. Donc ça dure 2 heures et il y a les 2 premières heures qui sont passantes et nous construisons juste cet édifice en caplat qui dure 2 heures. Et c'est extrêmement compliqué puisque tu ne peux absolument pas parler sinon en fait très vite
l'édifice peut vraiment comment dire, ne plus tenir. Donc ça demande une extrême concentration. Et pendant ces 2 heures, on a fait tout un montage de militants qu'on avait envie de faire entendre sur plein de sujets actuels d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment le montage de cet édifice et ces gens qui parlent tout au long de la montée de cet édifice. Puis le spectacle commence, les gens viennent. Et donc ce qui est très amusant, c'est qu'on sait tous, sans se le dire, que ça va être détruit à la fin. Et donc on connaît le final de ce spectacle. Sans se le dire, on sait très très bien qu'il n'y a pas de surprise. Et ça, j'aime beaucoup. Mais ce choix de mettre les spectateurs dans cette position, c'est aussi de les renvoyer d'une certaine façon. Enfin, c'était mon interprétation. C'est de les renvoyer à leur posture active ou passive face aux événements politiques. C'est-à-dire, est-ce que je vais choisir d'intervenir ? Est-ce que je vais choisir d'agir, de passer à l'action ? Ou est-ce que finalement, je vais rester spectateur du monde comme il ne va pas ? Mais je crois que c'est aussi par rapport, quand on parlait d'éducation, je pense, enfin moi j'avais un papa qui était si situationniste et je pense que c'est, je suis assez joyeuse de repartir assez régulièrement dans toute cette histoire et que oui, il y a toujours la question déjà de ce mot qui est quand même particulier, spectateur, c'est-à-dire dans Outrage au public de Peter Handke, c'est enfin pour moi qui est vraiment une sorte de bible du jeu du comédien et de l'endroit où on doit être. Il parle de ça à un moment donné. Il dit c'est heureusement que les spectateurs sont assis parce que s'ils étaient debout ou s'ils étaient mal assis, ils seraient beaucoup moins patients et ils seraient beaucoup plus exigeants. Et ça fait partie pour moi de la base du théâtre de rue parce que il y a comme une sorte de règle de jeu comme ça qui est très particulière, puisqu'on sait que tu peux te barrer, on sait que les conventions ne sont pas les mêmes, tu n'as pas réservé ton billet, tu n'as pas payé pour la plupart du temps. Donc déjà, à la base, il y a quelque chose comme ça de très particulier et qui crée une certaine tension. Qui est, je pourrais dire, presque une tension politique dans le sens où même dans La vie devant soi, par exemple, donc l'adaptation un des premiers spectacles qui était l'adaptation du livre de Romain Gary, où vraiment l'idée était que les spectateurs deviennent enfants de pute, les enfants de pute de Madame Rosa, et donc comment les malmener, et chose qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas envie de cette situation-là. Donc tu es aussi... dès le départ, pas forcément aimé par les spectateurs. Donc, ça crée quelque chose d'assez étrange. Et puis, une sorte de relation se met en place. Et puis, en fait, eux-mêmes commencent à faire partie intégrante de la scénographie, puisqu'ils sont dans des situations qui les mettent en colère, qui font qu'ils sont irritables, qui ne sont pas forcément de suite en empathie. Et donc, ça, pour moi, c'est aussi... En fait, en tout cas, une réflexion politique sur le corps spectateur et sur comment il devient co-auteur ou pas de mon œuvre, enfin de mon œuvre, en tout cas de mon écriture. On reviendra justement sur dans une deuxième partie sur toutes ces dimensions qui permettent de faire le lien peut-être inverse, c'est-à-dire de prendre la représentation théâtrale et les différentes expérimentations qu'elle mène actuellement et de voir comment ça peut aussi nourrir la réflexion sur la question de la représentation politique. On le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de... on le voit à travers les différentes expériences, la représentation théâtrale classique, bien sûr, ou la représentation du spectacle vivant classique, bien sûr, perdure. Mais l'expression « aller voir un spectacle dans une salle et aller voir quelque chose », en tout cas, cette façon de focaliser l'activité du spectateur sur la fonction, ce qu'on disait, scopique, c'est-à-dire « je regarde », eh bien, elle est de plus en plus également bouleversée par l'émergence des technologies numériques. La communication sociétale a beaucoup changé à travers ces médias. Les réseaux sociaux
nous ont appris qu'on est aussi bien producteur, diffuseur que récepteur de contenu. Donc il y a un mélange qui se fait en permanence désormais entre les créateurs de contenu, les diffuseurs de contenu, les consommateurs de contenu, les utilisateurs. Donc tout ça crée aussi un changement qu'on a dans la réception de ce qui nous est proposé. Donc on le voit aussi à travers les créations qui mobilisent des technologies numériques, puisque on va à travers ces créations voir le spectateur être mobilisé, non pas seulement par l'entendement, au double sens du terme, entendre, voir, comprendre, mais également par tous ses sens. Et on est sur des dispositifs immersifs qui proposent des bains sensoriels et qui vont mobiliser le spectateur très différemment que les spectacles plus traditionnels. Le plus traditionnel étant peut-être le dispositif réaliste du quatrième mur. Donc on a un spectateur qui devient aussi expérimentateur, qui devient donc participant, collaborateur, mais en tout cas qui est actif et actif différemment dans le spectacle plus traditionnel. Donc Joris Mathieu, vous avez l'habitude de créer ces spectacles, puisque dans vos créations sont mêlées images, il y a beaucoup de références aussi à la littérature, vous utilisez des dispositifs d'illusion d'optique, mais aussi la musique est un élément très important, les nouvelles technologies avec les couteaux casques, des projections, etc. Et ce que vous proposez, je parlais de bain sensoriel, mais il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'on est plongé dans un univers qui va en outre établir une communication très singulière de chaque spectateur avec ce qui est représenté sur scène. Je prendrai l'exemple de Hikikomori, le refuge, qui est un spectacle que vous avez créé en 2016. Donc, Hikikomori fait référence à ces jeunes qui vivent totalement reclus dans leur chambre, etc., etc. Et en fait, à travers dans ce spectacle, vous nous proposiez trois versions d'un même spectacle selon le personnage dont nous avions la parole, puisque c'était un spectacle qui se vivait avec une écoute au casque, et on pouvait soit entendre le jeune Nils qui racontait en fait ce qu'il vivait, soit entendre le récit de la mère, soit entendre le point de vue du père. Et donc on avait à chaque fois, c'est pour ça que je parle de réception singulière. Justement, dans votre travail, on imagine que cette question de la réception et de ce que vous allez pouvoir établir en termes de représentation est centrale. Est-ce que vous pouvez expliquer cette démarche que vous vous portez depuis maintenant 1998, Joris Mathieu? Je vais essayer. Peut-être déjà pour resituer, dire que le point de départ, c'est vraiment le rapport à la littérature et l'expérience de lecteur. C'est ça qui m'a amené, moi, au théâtre, avec cette sensation que je voulais retrouver et recréer dans la relation à la scène, qui était ce moment qui est quand même tout particulier, où finalement, avec la lecture, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. On s'installe quelque part. On crée un contexte et petit à petit, même si parfois ça peut être laborieux au départ quand on rentre dans la lecture, petit à petit on part ailleurs réellement. Et cette chose très particulière qui est effectivement une réception très très individuelle, une perception de l'univers qu'on est en train d'explorer qui est très singulière. En tout cas, on en a ce sentiment-là. Et très vite, quand j'ai commencé à faire du théâtre, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord le rapport à l'adaptation romanesque pour la scène, qui m'a conduit très vite à me poser la question du point de vue offert au spectateur, à la spectatrice, de la mise en situation en fait de ce rendez-vous entre la scène et un public réuni dans une salle. Et d'essayer de faire disparaître la frontalité ou la recherche d'universalisme dans la réception du spectacle.
Ça, c'est important parce que finalement, l'entrée et l'ouverture vers la question du numérique est venue plus tard. Tout d'abord, plutôt comme de tout temps dans l'histoire du théâtre, toute invention a été intégrée aux arts de la scène. Et finalement, cette question de l'émergence accélérée de technologies de plus en plus développées permettait d'augmenter une palette d'outils esthétiques pour essayer d'offrir des expériences multisensorielles où la réception finalement de l'œuvre, elle ne passe ni que par l'image, ni que par les mots, mais plutôt dans une combinaison entre ce que je nomme ça plusieurs images finalement, une image littéraire qui se confronte à une image scénique qui essaye de ne pas être littérale et une image souvent musicale. Et ces images se confrontant finalement, ça offre, on l'espère en tout cas toujours, la possibilité aux spectateurs de se projeter dans leurs propres images, nées de l'entrechoc de ces images multiples. Donc ça a été le point de départ. Et finalement, le numérique est arrivé d'abord par là, avec une approche du numérique dans notre travail qui a toujours été qui a toujours été très claire, qui a été qu'on ne travaillerait pas avec de l'image qui pourrait se regarder seul sur écran. C'est-à-dire que dans notre travail, l'image est toujours un élément à l'intérieur d'une image numérique, est toujours un élément à l'intérieur d'une autre image qui est l'image scénique. Et l'un sans l'autre ne fonctionne pas. C'est ça qui nous distingue finalement d'un travail de création purement audiovisuel, je dirais, ou purement digital. Parler vraiment comme ça. On pense plutôt l'augmentation de la scène par l'image. D'ailleurs, puisqu'on parlait d'étymologie tout à l'heure, j'aime bien rappeler l'étymologie du mot écran. Parce que finalement, l'écran, ça peut être un support de projection. Mais c'est aussi ce qui peut faire obstacle à la vision. Et nous, notre obsession, elle a été de nous débarrasser de la présence des écrans sur la scène pour que la perception de l'image par le spectateur se fonde dans l'image scénique. D'où le rapport aux illusions optiques, puis plus récemment à une expérience qu'on a voulu défricher sur l'utilisation de lunettes en réalité augmentée pour voir dans quelle mesure finalement c'est tout. Pouvait offrir des perspectives d'écriture. Quand on parle de technologie, je pense que ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est que la société dans laquelle on vit, on l'a dit, et son développement numérique qui a trouvé une place prégnante dans le quotidien de tout un chacun, a développé pour moi une forme de paroxysme de l'impression pour nous toutes et tous que finalement le monde pouvait être construit autour de nous comme si on en était le centre. Ça, c'est beaucoup aussi dans le sens d'une évolution politique qu'on retrouve finalement dans le déploiement de nouvelles formes, dont celles qu'on peut produire. Mais finalement, je pense qu'on retrouve aussi cette question à travers différents exemples qui ont pu être énoncés là, c'est-à-dire ce sentiment que chaque spectatrice ou spectateur peut vouloir développer, de se sentir être au centre de l'expérience, pris en considération et vivre son rapport au spectacle comme s'il était construit pour soi-même. Puis parallèlement, il y a aussi la fragmentation sociétale, un communautarisme très très fort, qui fait qu'aussi on a tendance à ne plus se reconnaître que dans ce que l'on représente ou dans soi-même. Et donc il y a un rôle de réparation finalement. Alors moi je l'entends beaucoup à travers aussi les exemples donnés avant, c'est-à-dire comment recréer le lien et comment, ça a été un peu une perception exacerbée avec cette double expérience d'artiste et directeur d'un théâtre labellisé, de voir comment dans une époque, vous le disiez tout à l'heure, finalement, la question de l'incarnation du politique est posée et où finalement des lieux culturels peuvent incarner une forme d'institution. Comment finalement, quand il y a une crise de l'institution, évidemment, le lieu du spectacle n'y échappe pas et que ça nous invite à nous re-questionner très, très fortement, non pas sur ce qui est uniquement notre échec, mais l'échec d'un modèle politique et sociale
qui n'a pas pleinement abouti ou qui est en voie de très forte dégradation. Donc comment on renoue avec ça ? Donc ça pose la question de l'inclusivité, évidemment, sous toutes ses formes. Et ça pose aussi cette question-là, je dirais, qu'on n'a pas toujours forcément toutes et tous dans notre champ de vision, mais qui est aussi la question de comment un certain nombre d'esthétiques sont sous-représentées aussi dans les institutions culturelles. Voilà. Tout ça va de pair, pour moi aussi, avec la question de l'exploration de nouvelles formes qui permettent de nouveaux langages scéniques, mais aussi des nouveaux modes d'écriture. C'est passionnant quand on voit se rencontrer des gens qui sont issus plutôt des cultures du jeu vidéo, par exemple, avec des gens qui sont issus de la culture du spectacle vivant, et notamment des autrices et des auteurs. Quand on découvre la possibilité d'écrire en arborescence, comme le jeu vidéo a l'habitude de le faire, en se posant la question de la conditionnalité du spectateur, de comment il va, le scénario peut évoluer en fonction de la place et du rôle que les spectateurs vont jouer à l'intérieur de l'œuvre, ça ouvre tout un champ d'écriture qui finalement relève de la question du participatif, même si je trouve le terme participatif assez réducteur, ce qui pourrait donner l'impression, quel que soit le chemin et la forme qu'il prend, que vivre un spectacle n'aurait d'intérêt que si on y participe. Et pour moi, c'est une remise en cause que je trouve que je trouve pas complètement juste. C'est-à-dire que je crois qu'on a, y a une ouverture sur des approches d'écriture multiples. Les exemples que vous donniez, par exemple, montrent aussi la question du cheminement, c'est-à-dire celle du temps long, en fait, qui fait que ça produit du sens. Et je pense que c'est pareil aujourd'hui dans ces nouvelles formes qui existent, c'est quel cheminement on propose à un spectateur à l'intérieur d'une œuvre qui lui donne le sentiment de d'en être partie prenante. À travers ce que vous dites, Joris Mathieu, se distinguent différents donc, statuts du spectateur, c'est-à-dire la façon dont le spectateur peut, comme on le disait, s'identifier à ce qui va se passer sur scène. Là, on est dans une représentation délégation, c'est-à-dire je m'identifie. Il y a aussi quelqu'un qui parle à ma place sur scène. Je m'identifie à cette personne. Il y a ce qu'on disait aussi, la représentation incarnation, c'est-à-dire la façon dont moi, en tant que partie prenante d'une communauté, je m'inscris dans une création qui va partir de cette matière première apportée par cette communauté, et puis un chemin qui n'est pas complètement de la représentation, puisqu'il met beaucoup plus l'accent sur l'expérience, finalement, l'expérience esthétique qui va être vécu, proposé au spectateur, qui va lui permettre de construire son parcours singulier, presque sa représentation dans son imaginaire individuel, dans sa cabine de projection individuelle, et que finalement, c'est presque ça qui va devenir le point focal de la création, plus que l'œuvre d'art en tant qu'elle-même. Peut-être, Noémie Fragier, vous qui avez beaucoup travaillé sur la question du rôle de la réception dans la création des œuvres, vous pourriez nous apporter le fruit de vos observations sur ce plan-là. Sur la question de l'expérience ou de la façon de la dont quel est le rôle finalement de la réception dans la création des œuvres, la façon dont ça dépend des formes. Moi, ce qui m'a intéressée dans les différentes formes de création contemporaine qui s'intéressent au spectateur en particulier, c'est-à-dire qui cherchent à agir sur le spectateur, c'est-à-dire soit à le déplacer, soit à le faire participer, soit à lui faire ressentir des émotions très fortes. Bon, ça peut être toutes les œuvres, hein, mais c'est la face. Quelle liberté, en fait, on laisse au spectateur ? Est-ce qu'on... Parce que finalement, un artiste, il peut projeter tout ce qu'il veut sur comment le spectateur va percevoir la proposition. Il ne sera jamais dans sa tête. Et après, il y a certains moyens qu'il peut utiliser pour le faire réagir,
le faire agir. Donc il y a des moyens sensibles, il y a des moyens, on va dire, intellectuels, politiques, pour on va dire, susciter une réaction. Et c'est vrai que moi, je me suis intéressée à la fois à des artistes qui laissent cette liberté, où il y a une part aussi peut-être d'inaccessible, en fait, sur comment on a traversé... une œuvre, qu'elle soit participative ou non. Et des artistes qui, au contraire, avec, on va dire, la prétention d'avoir une action effective ou en sachant que de toute façon, ils n'ont pas le contrôle sur ça, qui cherchent un peu à orienter des actions. C'est vrai que parfois, dans le théâtre dit participatif, moi j'avais eu le sentiment d'être un peu une marionnette, enfin de parfois de faire des choses qu'on me dicte. Mais c'est vrai qu'en analysant plus profondément les spectacles, c'est que le spectacle se déroule pas que dans le temps de la représentation, il se déroule aussi dans l'après et dans le recul qu'on peut avoir sur le spectacle et sur ce qu'on a été amené à faire. Par exemple, je pense que c'est un travail qui a mené beaucoup Rimini Protocole, qui travaille beaucoup sur différentes formes, in situ, mais aussi en salle, et qui travaille beaucoup sur des dispositifs intermédiaux, sur comment faire participer le spectateur. Et à certains de ces spectacles, où moi j'ai pu ressortir, avoir l'impression d'avoir juste été un peu utilisé, ou d'avoir fait des choses que je n'aurais pas voulu faire, mais en fait, finalement, c'était peut-être pour me faire prendre conscience de ça, de la possibilité, finalement, quand on est dans un dispositif, par exemple, quand on a un casque sur les oreilles, une tablette dans les mains, on nous amène à faire des actions qu'on n'aurait pas faites si on avait eu un temps de réflexion, plus de recul, de silence. Donc, ça m'intéresse, ces deux temps de la représentation, enfin, ou de la proposition, on va dire, artistique qui amène la participation, et des œuvres en fait qui agissent plus finalement l'imaginaire, la pensée, comme le travail que j'ai pu voir de Joris Mathieu, donc Hikikomori, où là à la fois il y a une proposition il y a une conscience que les spectateurs vivent pas la même chose. Et il y a une accentuation de ce phénomène par le fait qu'il y a une triple proposition d'écouter trois récits de trois subjectivités différentes, donc des personnages en scène. Donc, et il y a une dissociation aussi entre l'écoute et la vue. Et il y a ces formes-là qui sont pas pour moi qui sont pas participatives, mais qui réfléchissent en fait sur le positionnement du spectateur. Oui, créer une double proposition à la fois tout à fait sensorielle et imaginaire. En fait, on a une proposition qui nous laisse de la place pour nous être connectés avec ses pensées, ses propres rêveries, en fait. Et en même temps, comme c'est un dispositif qui est inédit ou rare ou voilà, qui est innovant, on va forcément avoir du recul sur qu'est-ce que c'est représenter un spectacle, qu'est-ce que c'est créer une narration, qu'est-ce que c'est être spectateur ou prendre part en tant que spectateur à un récit. Et ça fait bouger le spectateur. Enfin, en fait, pour moi, le spectateur, il peut bouger tout en étant assis dans un fauteuil. Et il peut ne pas être complètement finalement figé ou dans l'illusion d'une action en fait donnée par la mise en scène, parce qu'il est exécutant. Mais après, le spectateur est souvent plus intelligent que ce qu'on pense. Et même si, par exemple, dans des spectacles, je ne sais pas, il y a différents goûts pour ça. Il y a des gens qui adorent, par exemple, monter sur scène. Par exemple, dans les spectacles de Vincent Macaigne, les gens adoraient monter sur scène. Il y avait un peu quelque chose un peu... Enfin, moi, qui me faisais un peu penser au Club Med, à l'animation, des choses que j'avais détestées enfant. Et moi, je regardais ça avec beaucoup de recul, en trouvant ça intéressant, mais en voulant pas du tout me laisser manipuler de cette façon.
Mais c'est Jacques Rancière qui rappelle que la participation du spectateur ne se réduit pas à sa mobilité physique. C'est-à-dire que tout ce travail qu'on vient de décrire, d'écoute sensorielle, de projection mentale, de relier ce qui est proposé à ses expériences intimes, personnelles, c'est un travail qui nécessite une activité intense du spectateur. Donc c'est important effectivement de souligner que cette notion d'activité du spectateur ne se réduit pas à une mobilité physique. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites sur notamment Ikiko Mori, c'est la façon dont il y a une expérience individualisée qui est proposée, puisque les différentes personnes vont écouter des récits différents, mais que cette individualisation est finalement le point de départ d'une discussion au sein de la communauté qui assiste au spectacle, puisque personne n'a écouté la même chose. Donc qu'est-ce qui se passe quand on sort? On dit « Ah bon, alors toi, t'as écouté quoi? Mais c'était quoi ?» etc. Et donc, c'est assez intéressant de voir que finalement, il n'y aura pas une seule représentation, mais une représentation plurielle, et que l'unité va peut-être se faire dans l'unité, dans la similarité de l'expérience. Et chacun mène sa propre expérience, mais il y a quelque chose qui demeure partageable. Faut vraiment parler comme ça. J'en dis quelques mots parce que finalement le point de départ de ce c'est moi qui ai fait bugger les micros. Il est évidemment né d'abord de l'analyse du phénomène de cette psychopathologie sociale qui est le phénomène des hikikomori, dont le cœur du sujet, c'est quand même la rupture communicationnelle à l'intérieur de la famille qu'on cherchait aussi à retraduire dans la salle, c'est-à-dire porter des casques à l'intérieur de la salle. C'est être séparé de son voisin. La question de l'empathie était assez centrale, c'est-à-dire la difficulté qu'on connaît aujourd'hui et qu'on retrouve aussi dans les phénomènes des hikikomori, qui est notre difficulté à nous projeter dans la perception de l'autre, cette expérience que normalement Piaget définissait que l'enfant le vivait, je ne sais plus exactement à quel âge, mais assez jeune. Et finalement, quand on traverse ce monde-là, on se dit, mais combien sommes-nous à ne pas avoir vécu cette expérience fondatrice, quoi ? C'est-à-dire que la question du partage du point de vue se retrouvait finalement au centre et donc traduite à la fin, comme le disait Gwenola, par quelque chose qui forçait d'une certaine manière la discussion entre spectateurs et spectatrices, mais même au sein de la famille, sur mais qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu. Et finalement, quand on se pose la question de qu'est-ce que tu as entendu, c'est qu'est-ce que tu as vu. Et évidemment, ce n'était pas des points de vue complémentaires comme les pièces d'un puzzle qui, à la fin, refabriquaient une seule et même histoire, mais bien aussi une possibilité offerte aussi aux jeunes spectateurs de ne pas se retrouver désarmé face à la question « Alors, qu'est-ce que tu as compris ?» qui est une question qu'on pose très souvent aux enfants et finalement qui est validée ou invalidée par les parents ou les adultes qui accompagnent. « Ah, mais non, mais... » Et là, effectivement, ça, il n'y avait plus de possibilité de faire ça, quoi. Dans votre dernière création, La Germination, d'autres mondes possibles, on retrouve aussi une dimension très politique, puisque très directement politique, hein, au-delà de cette expérience sensorielle que vous proposez, puisque le spectateur peut participer à une expérience collective et il lui est proposé finalement de s'engager à déterminer le chemin qui lui semble plus souhaitable pour la société, partant du principe que l'immobilisme n'est pas possible. Donc là, finalement, vous, un peu comme le faisait Maya Rico, hein, dans son spectacle précédent, c'est remettre le spectateur en position de devenir acteur d'un choix et d'un choix politique. Oui, mais en même temps, en créant une très forte ambiguïté sur cette situation-là, dans le spectacle La Germination,
qui est le premier volet d'un cycle sur l'émergence d'utopie contemporaine, on assiste finalement à une longue conversation entre trois personnages, une conversation qui se déroule sur 5 ans, qui commence en 2019 pour s'achever aujourd'hui dans le « ici, maintenant ». Et où finalement, ces trois personnages ont décidé de s'extraire du monde de la société pour aller vivre en marge, sans doute pour vivre une expérience communautaire. Et à eux trois, chacun étant convaincu par, je dirais, une voie, une utopie différente, ils entrent dans ce que j'appelle cette société du commentaire et du bavardage, où la conversation ne finit jamais et donc n'aboutit jamais à un engagement véritable sur la mise en œuvre de manière radicale de l'utopie à laquelle ils adhèrent. Ces trois utopies sont pour l'un le transhumanisme, pour l'autre le cosmopolitisme, à savoir le préalable qui serait l'abolition du rapport aux propriétés et l'effondrement des frontières. Le troisième personnage est plus guidé par l'hypothèse qu'il faut d'abord se décentrer, sortir de l'anthropocène et reconsidérer complètement notre rapport au vivant, et comme ça on va s'en sortir. Et finalement, cette conversation qui fait le récit de l'impasse et qui, dans l'expérience, les spectateurs sont équipés de lunettes de réalité augmentée qui leur permettent par moment d'entrer dans l'imagerie qui pourrait coller de manière assez plate à des représentations un peu creuses de ces utopies. Et puis ils sont sollicités par des questions, comme des sondages, de manière très récurrente, auxquelles ils peuvent voter en levant le pouce ou en tendant le poing, sans que jamais il n'y ait de restitution sur ces sondages, si ce n'est à la fin un message nous remerciant d'avoir contribué à améliorer nos expériences futures. Donc il y a toujours une forme de pied de nez. Ce qui m'intéresse évidemment dans le port des lunettes de réalité augmentée, au-delà de, comme je le disais tout à l'heure, de l'exploration de cette technologie et de ce qu'elle peut apporter pour la scène, et l'expérience qu'on a menée m'a donné le sentiment pour le coup que c'est un outil assez incroyable en fait pour pouvoir déployer en termes d'esthétique des univers confondants sur la scène. Pour ceux qui ne... Peut-être une petite précision, il y a une distinction qu'il faut que vous ayez en tête entre réalité virtuelle et réalité augmentée. La réalité virtuelle, je reviens à ma logique d'écran de tout à l'heure, la réalité virtuelle, c'est des écrans collés devant le nez, devant les yeux, qui finalement substituent au réel un univers virtuel. Et donc on est dans un monde clos et on perd tout rapport à l'espace réel dans lequel on se trouve. La réalité augmentée, qui peut passer par des écrans, des tablettes, ou par des lunettes, finalement, pour certaines qui sont aujourd'hui assez sophistiquées, pas loin des lunettes réelles qu'on porte au quotidien pour la vue, fait qu'on garde par transparence une perception de l'espace dans lequel on se trouve. Donc dans le spectacle, les gens voient réellement la scène à travers ces lunettes, ils voient réellement les interprètes, ils voient réellement des éléments de décor. Mais à l'intérieur de cet espace, on peut ajouter des images flottantes qui viennent transformer cet espace, le compléter, le développer. Et donc, pour revenir à ce que je disais, l'intérêt pour moi de l'utilisation de cet outil, il est aussi dramaturgique, il n'est pas que esthétique. C'est-à-dire, confronter une audience de 80 personnes équipées de ces lunettes simultanément, c'est se confronter à ce qui est pour moi une réalité déjà active que beaucoup imaginèrent comme étant futuriste. C'est une manière de raconter que finalement, parmi ces trois utopies qui étaient mises en jeu sur scène à l'intérieur de ce débat et de cette conversation, il y en a une qui est peut-être déjà dominante et qui est déjà un projet politique à l'œuvre, qui est, en lien avec le transhumanisme, l'idée que, très cornucopienne, que notre savoir-faire, notre sens de l'innovation, notre créativité nous permettra toujours de nous sortir des impasses dans lesquelles on se trouve. Et finalement, ce monde hyper technologique, il est déjà très très ancré en nous et c'est le projet dominant. Et donc, par l'usage de ces lunettes dans la salle, ça me permet déjà d'induire une forme de questionnement critique sur comment parfois on ne voit que certaines parties émerger d'iceberg qui sont pourtant beaucoup plus fortement présents dans notre quotidien. Voilà.
Donc une représentation qui vient se métisser entre un imaginaire qui se concrétise par cette réalité augmentée, l'imaginaire du spectateur, et puis le réel dans lequel nous vivons. Alors, je voudrais revenir vers vous, Yves Saint-Omer, puisqu'on a beaucoup parlé donc, de ces différentes façons dont la représentation était bousculée, était modifiée, était explorée par à la fois les processus de création, mais aussi les formes et aussi les outils qui sont utilisés. Vous avez beaucoup écrit sur cette démocratie libertaire qui aujourd'hui peut se manifester, même qui se manifeste aujourd'hui très régulièrement. Au vu de ces expérimentations, comment voyez-vous comment ces expérimentations dont nous venons de parler nourrissent votre réflexion sur justement cette crise de la démocratie, ces tentatives de retrouver des modalités de représentation différentes? Alors, en écoutant les autres oratrices, orateurs de cette table ronde, j'étais frappé parce qu'il y avait plein de choses qui résonnaient. J'avais l'impression parfois, en vous écoutant par exemple, d'entendre des choses que, d'une autre manière, évidemment, sur une autre scène, on peut entendre en politique. Et de facto, on voit bien qu'il y a plein de parallèles entre les arts vivants, les arts du spectacle, et puis la politique. Penser l'hémicycle parlementaire et puis le théâtre à l'italienne classique, et ça date... d'une certaine manière, c'est parallèle d'Athènes où l'Assemblée générale des citoyens avait une forme qui était assez proche de celle des premiers théâtres. Pensez aussi au fait que il n'y a pas d'art du spectacle sans public et il n'y a pas de politique non plus sans public. Pensez aussi au fait qu'il n'y a pas de politique sans mise en scène et avec des styles différents qui évoluent. Amusez-vous un jour à voir par exemple les vœux de la nouvelle année de différents chef d'État, vous verrez bien, ou les campagnes électorales dans différents pays, on voit bien qu'il y a des différences. Et en même temps, il y a tout de même des énormes différences entre la représentation dans les arts du spectacle et puis la représentation politique. D'abord, en politique, il y a tout de même aussi derrière cette lutte pour le pouvoir qui est fondamentale et ces rapports de domination qui sont fondamentaux, qui, je crois, ne jouent pas de la même manière dans le théâtre. Et puis, après la représentation politique, avec la représentation politique, il y a aussi de la prise de décision, il y a l'action de l'État, il y a l'action des autorités publiques. Ce n'est pas simplement une réflexion sur les choses de la cité, c'est aussi l'action et la transformation réglementaire, étatique, bureaucratique de la société. Alors, il y a eu récemment, enfin disons dans les 10-20 dernières années, la montée de ce qu'on pourrait appeler des mouvements libertaires qui sont très présents chez les jeunes, en particulier, même si ce n'est pas seulement chez les jeunes, qui disent que finalement la politique, elle doit être avant tout et peut-être seulement une discussion commune sur ces choses de la cité. Ils refusent la représentation au sens d'une délégation de pouvoir. Ils disent il faut que nous décidions ensemble sur les affaires qui nous concernent. Et du coup, avec une tendance à être localisé dans des petites communautés ou alors à faire jouer aux réseaux sociaux un rôle assez similaire à ce qui peut être dans les petites communautés. Pensez à Wikipédia, chacun peut y contribuer. Et dans, à la limite, le monde entier, chacun peut être actif pour forger un consensus sur ce que veut dire ou ce qu'est tel ou tel mot, telle ou telle notion, telle ou telle personne que l'on veut présenter, définir. Et donc, il y a ce refus de la représentation en termes de délégation, mais il y a aussi quelque part, derrière, quelque chose qui est partagé assez largement par d'autres types d'acteurs, d'autres tendances politiques, l'idée qu'on pourrait aussi se passer du spectacle. En politique,
quand on veut critiquer une politique, souvent, dans la vie quotidienne, c'est vraiment du spectacle. Il fait du spectacle. Et c'est négatif. Ce n'est pas le bon spectacle. Pour que ça marche, il faut que ce soit considéré comme un bon spectacle. Mais le bon spectacle, c'est quoi en politique ? C'est souvent un spectacle où on est pris au jeu, où on oublie que c'est un spectacle, on a l'impression que c'est authentique et que finalement, le spectacle devient transparent aux yeux du public à tel point qu'on est embarqué dedans sans avoir à y faire une activité, une distance réflexive. Je crois que c'est une des grandes différences aujourd'hui dans le rapport à la représentation, à la mise en scène, dans les arts du spectacle et en politique, c'est qu'il y a de la réflexion en politique aussi, mais elle est faite par les spécialistes en communication. Elle est faite pour influencer les gens sans qu'on voit ce spectacle-là, sans qu'il y ait une distance réflexive des spectateurs, des citoyens en l'occurrence, sur le spectacle politique qui se joue. Et je crois que dans tout ce que vous évoquez, je crois qu'à l'inverse, il y a la volonté de pousser les personnes qui sont parties prenantes du spectacle à avoir cette distance réflexive sur ce qui est en train de se passer. Et en politique, c'est exceptionnel. On en voit de temps en temps. Mais d'une certaine manière, je crois que les responsables politiques, ils ont peur de dévoiler les ressorts, de mettre en abîme le spectacle politique, parce que du coup, on penserait que ce n'est qu'un spectacle, justement, et que ce n'est plus la vérité. Mais c'est aussi partagé par ces mouvements libertaires qui tendent inconsciemment à dire... On refuse ce spectacle politique et nous, on va être authentique. Et ce rapport à la fois de l'authenticité qui se passerait du spectacle, alors qu'en fait, quand on voit ces grandes manifestations, prenez les gilets jaunes, c'est un spectacle. Enfin, ça commence avec le symbole des gilets jaunes. On va manifester dans des lieux où, à Paris, on n'avait pas l'habitude de manifester pour contester le pouvoir, les Champs-Élysées, et pas Bastille, Nation, République. Il y a plein de spectacles, mais sans en avoir, disons, sans mettre en avant cette réflexivité. Dans les expériences de démocratie libertaire que vous évoquez, il y a cette façon de discuter et finalement d'arriver à une position politique ou une posture qui va faire changer les choses. Alors, on a beaucoup parlé de votre expérience à Sevran, Valérie Suner. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, que ces nouvelles modalités que vous avez mis en œuvre à la fois dans la construction de la représentation, de la représentativité qui est offerte dans les spectacles, que ça fait bouger politiquement les choses? On a eu, en tout cas, on a commencé à avoir cette expérience-là avec Carole Carremera qui dirige Ishio Art Center, qui est un centre culturel et artistique au Rwanda, à Kigali. Ça fait plusieurs années qu'on réfléchit sur cette question-là, en quoi des lieux artistiques et culturels peuvent avoir un impact sur le politique aujourd'hui, puisque notamment en ayant travaillé avec Bruno Latour et tout le collectif qui s'est constitué autour de son projet, de son texte Où atterrir, nous avons constaté qu'aujourd'hui les problèmes sont hyper complexes. On parlait d'anthropocène tout à l'heure. Ce qui a agi aujourd'hui sur notre vie et qui constitue notre vie est traversé par de nombreuses influences et par de nombreux acteurs. Ça devient de plus en plus complexe. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, il était important de travailler en transversalité et que peut-être, notamment, on discutait avec Jérôme Gaillardet, qui est directeur de recherche au CNRS, sur la zone critique. C'est cette partie dont on dépend et où l'on vit sur la Terre aujourd'hui, les quelques kilomètres au-dessus de la Terre, les quelques kilomètres en dessous de la Terre. Et c'est l'action où on agit, nous, les humains, mais l'ensemble du vivant.
Voilà. Donc aujourd'hui, même les scientifiques disent qu'ils travaillent d'une façon trop cloisonnée. Donc on s'est dit avec Carole Carrémera, tiens, est-ce que nous, dans les lieux artistiques et culturels, on peut être des endroits de transversalité où on peut réfléchir en commun entre habitants, artistes, scientifiques, chercheurs, politiques, urbanistes, etc. Et on s'est axé sur des lieux petit, d'abord, dans l'expérimentation, la ville de Sevran et la ville de Kigali. Enfin, petit par rapport à l'échelle de la Terre, j'entends. Mais bon, voilà, une capitale et une ville de 55 000 habitants. Et du coup, on a travaillé sur des transformations urbaines. La ville de Kigali est en train de se transformer vitesse grand V actuellement depuis plusieurs années. Et la ville de Sevran également. Donc, en partant de sujets de société, ce qu'on fait toujours à la poudrerie, et là, notamment, d'une problématique très précise que je vais citer, d'un nouveau quartier qui devait avoir lieu à Sevran avec la création d'une vague de surf qui devait, autour duquel on devait construire un nouveau quartier pour que Sevran devienne un lieu de destination, pour gentrifier Sevran. Bon, sauf que ce qu'on n'explique pas au départ, c'est que c'est dans un des trois quartiers prioritaires de Sevran, que c'est sur le dernier champ, la dernière zone agricole de Sevran que devait avoir lieu ce projet complètement hors sol, si on reprend un terme de Bruno Latour qui parle de où atterrir. Et donc, nous, on s'est dit, avec Dorothée Zumstein, mais aussi avec le Media Lab de Sciences Po, avec le collectif Où atterrir, constitué par Bruno Latour, comment on va pouvoir contribuer, outiller les habitants pour réfléchir à ce projet complètement hors sol. Et donc, ce projet a créé une polémique à Sevran, a créé une controverse. Et la nouvelle municipalité qui a hérité de ce projet a dit bon, ben, on va faire une concertation publique pour discuter ensemble du bien fondé ou pas, est-ce qu'on garde ou pas ce projet ? Donc on s'est dit, ben nous, moi j'étais en tant que directrice du Théâtre de la Poudrerie invitée à participer à la concertation publique, et on s'est dit, ben, est-ce qu'on va créer des outils, enfin on va travailler nous artistiquement en parallèle pour outiller les habitants à une réflexion sur cette question éminemment politique, de tout d'un coup gentrifier un quartier, exclure tous les habitants qui étaient là et... tout d'un coup amener un projet complètement non écologique, ni d'un point de vue de l'écologie sociale, ni d'un point de vue de l'écologie environnementale. Donc on a, une fois encore là avec Dorothée, on est parti sur le territoire et on a été interviewé de nombreux habitants, et notamment des riverains qui devaient habiter sur le pourtour de ce quartier, enfin qui habitent sur le pourtour de ce champ, et leur demander leur avis. Et donc là, nous, on a créé une première œuvre qui s'appelle Une vague dans la ville et qu'on a tournée à domicile. Et donc là, il y avait à la fois quelque chose que vous avez vu un petit peu tout à l'heure et qu'on fait à chaque fois nous dans les représentations, à la fois ça nous a permis d'avoir un aller-retour entre on va interviewer les gens, on va rencontrer les gens et après on rejoue devant les gens qu'on a interviewés. Donc il y a une réflexivité de ce qu'ils ont dit et une création de la polémique et de la controverse au sein d'une famille qui était une fiction totale. Ça, c'est Dorothée vraiment qui a proposé. C'était au sein d'une famille avec une grand-mère, le petit-fils, la petite-fille, qui portaient tous les trois des points de vue différents sur la controverse et qui remettaient cette controverse dans un contexte plus global qui est celui du gros problème de écologique qu'on a à affronter aujourd'hui, c'est-à-dire que de montrer en quoi cette décision ici à Sevran que des gens allaient pouvoir prendre, ça contribue avec une petite part, une petite goutte à quelque chose qui allait contribuer à aller vers quelque chose de plus ou moins écologique. Donc, et là, on avait tout un tas de débats. Le maire, par exemple, de Sevran, beaucoup d'élus ont vu ce spectacle et donc sont venus voir à domicile parce que le lieu de la représentation, pour reprendre aussi des choses, excusez-moi, je rebondis beaucoup parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir tout ce que vous avez dit, le lieu de la représentation, de faire un spectacle qui se joue dans une maison et qu'on le fasse dans les maisons et que des habitants et qu'on invite là même notamment des politiques à venir voir le reflet
de la pensée, de la controverse des habitants. Le maire, par exemple, m'a dit « Ah bon, c'est ça qu'ils pensent les habitants ?» Donc, c'était très intéressant de pouvoir avoir cette... à la fois d'outiller les habitants et de créer des débats suite à ces représentations au sein même des... de recréer des lieux de débat, puisque nous, le projet, c'est de créer un théâtre de la socialité. Donc, c'est des lieux d'échange, de rencontres, de débats. Donc, ça, c'était la première œuvre. Une deuxième forme qu'on a développée, qui est un peu hybride, c'est avec le Media Lab de Sciences Po. Là, on a amené les habitants sur le champ où il devait y avoir la vague. Et là, on a travaillé avec des anthropologues des spécialistes des couloirs écologiques, avec des spécialistes des problèmes hydrauliques, avec des spécialistes des oiseaux, avec les habitants qui habitent autour de cet endroit pour savoir, eux, leur point de vue, connaître le passé, travailler avec des urbanistes, etc. Donc, on a écrit un bouquin, là, avec le Media Lab et les habitants, qui s'appelle Le Champ des Possibles, et qui donnait à voir non seulement le point de vue des habitants du pourtour du parc, mais d'un point de vue plus scientifique, un point de vue historique, mais aussi le point de vue, si je puis dire, des animaux, des végétaux. Voilà, donc il y avait aussi d'autres points de vue, d'autres personnes ou d'autres entités vivantes qu'on représentait ou tentait de représenter, dont on tentait de représenter le point de vue. Donc ça, c'était un deuxième endroit de réflexion. Troisième endroit de réflexion. Alors, je peux juste dire que ensuite on a contribué à tout ça, que le projet a été refoulé. A été refoulé dans un premier temps. Moi-même, j'ai participé à la concertation publique et j'ai utilisé une technique que je connais bien, qui est la mise en scène. Et je me suis dit, bah oui, moi aussi, je vais les aider à se mettre en scène. Et j'ai mis en scène l'intervention publique des citoyens qui est venue proposer un contre-projet. Et j'ai contribué à l'écriture d'un texte, un manifeste, et qu'on a fait lire exprès à la plus jeune des contributrices, et je me suis dit, on va utiliser nous aussi des techniques théâtrales, et là tout le monde s'est levé à la fin, a applaudi, etc., comme dans un spectacle. Et là, ça, c'est la représentation politique. C'était au sein du politique, dans le conseil municipal, ça a vraiment fonctionné. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'utiliser ça ? Et ensuite, troisièmement, une fois que le projet a été annulé, on a travaillé avec le collectif Faut Atterrir pour faire un atelier spectacle où chacun faisait une autodescription de son territoire et de ses concernements. Dans cet atelier spectacle, il s'avère qu'il y avait notamment Jean-François Bacon, qui est notre élu à la culture, et qui, pour lui, son concernement en faisant l'autodescription du territoire, c'était vraiment... Qu'est-ce que ça allait devenir ? Qu'est-ce que ce champ, lui, il était complètement contre la vague de surf. Mais néanmoins, maintenant qu'on avait annulé le projet, qu'est-ce qu'on allait faire à cet endroit-là ? Et donc là, il y a eu tout un travail d'autodescription et de réflexion politique qui était mis en scène dans le cadre de cet atelier spectacle, avec, il y avait une création de musique contemporaine, il y a eu une forme tout à fait hybride et particulière, immersive, avec tout le monde qui était dans la salle, tout le monde qui contribuait, tout était mis en scène. Mais néanmoins, c'était une recherche tout à fait hybride, à la fois avec des éléments de manifestations politiques ou de demandes, presque de doléances, comme en parlait Bruno Latour, par exemple, mais également avec des temps complètement de représentation de ce qu'on avait découvert par une création de musique contemporaine, par exemple. Donc, mais tout ça, il faut harmoniser tout ça, et ça, c'est le travail de mise en scène et de globalisation totale. Où l'on voit que les process de création participative sont effectivement des outils très précieux dans ce cadre-là, puisque c'est cette transposition et cette jointure aussi que vous avez faite avec la mise en spectacle politique, se donner en représentation, que vous avez mis en scène du politique. Et là, il y avait une jonction particulièrement bien trouvée. Je crois qu'Yves Saint-Omer avait une question qu'il souhaitait poser. Oui, c'est fascinant, parce que je trouve ça
extrêmement stimulant. Et moi-même, dans mon domaine, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de démocratie participative. Et donc, il y a plein de choses qui résonnent. Mais là, je voudrais me faire l'avocat du diable. Quand j'accompagne des acteurs qui veulent développer la démocratie participative, souvent, la réponse des politiques, c'est ouais, c'est bien au niveau de la proximité, la vague là dans le quartier, ok, d'accord. Mais quand on passe à des choses un peu plus sérieuses, un peu plus importantes, comment on doit restructurer le Grand Paris, en particulier avec les Jeux Olympiques, la question de la guerre en Ukraine, là, il faut des vraies compétences. Et certes, on peut faire de la consultation, au contraire, il faut en faire. On fait des sondages, voilà. Mais après, il faut que ceux qui savent décident. Donc, première question, est-ce que ce que vous faites, ou les autres démarches d'inclusion du public, est-ce que ça vaut pour des petites choses ou pour, disons, discuter des questions d'opinion publique, mais pas pour le dur de la politique? Et puis, du coup, en faisant une deuxième question d'avocat du diable, est-ce qu'on ne pourrait pas dire... Bon, c'est bien de faire intervenir les spectateurs, le public, de les inscrire dans le spectacle de façon active. Enfin, tout le monde n'est pas artiste. Pour faire un bon spectacle, un vraiment bon spectacle, pas un petit spectacle sympathique, mais un vraiment bon spectacle, une œuvre, ben là, il faut que ça soit la metteuse en scène qui reprenne la main et qui fasse les choses. Les autres, on peut les consulter. C'est compliqué les questions, mais la réponse peut être partagée. Hein, parce que oui, je pense que la réponse va être partagée, absolument. D'une part, je pense que chacun doit participer à son endroit. Moi, si mon savoir-faire il est à l'endroit de la mise en scène, eh ben, c'est ma contribution possible. Mais je ne suis pas experte dans d'autres domaines où, par exemple, moi, je n'ai pas l'expertise d'avoir vécu 30 ans au bord de ce champ. Et donc, je n'ai pas, moi, le vécu de ce qui s'est passé, la sensation, etc. Et l'émotionnel lié à ce parcours. Donc, bon, c'est peut-être très rapidement répondu, mais chacun peut participer à son endroit et chaque participation est très importante dans ces lieux de croisement, comme je le disais tout à l'heure, où on doit avoir des réflexions croisées, non seulement sur des expertises très approfondies de domaines très précis, scientifiques ou autres, mais également sur la question du sensible. Parce que nous sommes des humains, parce que nous sommes des êtres vivants, qu'on doit aussi prendre en considération l'ensemble des êtres vivants, et qu'aujourd'hui, c'est nous qui co-créons, qu'on le veuille ou non, nos conditions d'habitabilité, et donc on doit prendre en compte les points de vue et des autres, quels qu'ils soient. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec non seulement des habitants en transversalité, mais aussi avec d'autres territoires qui ont, par exemple, nos homologues au Rwanda, qui ont un point de vue non occidentalo-centré et qui vont nous donner un autre point de vue complètement sur nos réflexions et qui vont nourrir aussi la possibilité de travailler autrement. Ensuite, moi je pense qu'on peut travailler, ça nécessite un gros travail et à la fois je trouve que c'est fondamental de travailler chacun dans nos territoires. C'est de là que peuvent émerger aussi des nouvelles façons d'œuvrer, de penser, de co-construire et d'agir politiquement. Et dans cet aller-retour à la fois voilà, social, politique, artistique. Mais on peut, je pense, aborder des questions plus importantes, plus grandes, à condition qu'on prenne le temps et d'écouter. C'est un gros travail, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a besoin d'un long temps et d'une écoute. Et que quand, contrairement à ce qu'on fait beaucoup, il y a eu des travaux assez intéressants d'un point de vue écologique commandés par notre gouvernement, mais il y a eu des gros travaux qui ont donné des bons résultats, mais qui finalement, on écoute, on fait, on œuvre, mais on n'applique rien. Donc, si on fait ce travail-là à grande échelle, à mon sens, c'est possible, mais il faut aller jusqu'au bout
de ce travail et l'appliquer, avoir le courage de l'appliquer. Pour rebondir sur ce que disiez Valérie Sonner, c'est que les personnes qui sont incluses dans ce processus participatif sont invitées à livrer l'expertise qu'elles ont de leur propre vie, finalement, de leur propre expérience, de leur propre environnement. Et donc, il n'y a pas forcément une prétention universaliste à régler la question du climat, mais plutôt de parler de leur propre endroit qui va ensuite se confronter à d'autres points de vue, d'autres expériences, et qui va permettre finalement de dégager si ce n'est une représentation, mais un élément de dialogue, en tout cas les conditions du dialogue, ce qui est un petit peu différent d'un théâtre où les participants seraient sommés de répondre à comment résoudre les maux de notre monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même dimension. En revanche, ce que j'ai envie de poser comme question à nos voisins, finalement, en posant la question aux spectateurs de leur capacité d'agir, en posant la question de leur désir d'agir aussi, en nourrissant ce processus réflexif, est-ce que c'est pas là qu'on outille le mieux les citoyens à affronter la question de la représentation ? Moi, je vais essayer de répondre brièvement à ça avant de passer le micro, mais je voulais rebondir sur les questions que Yves soulevait. En fait, quand même, tout est étroitement lié, c'est-à-dire que la question de la relation entre le politique et les artistes est une question qui est quand même un peu en train de changer, notamment depuis que le politique s'est emparé du récit pour faire de la politique récit. On traverse une époque évidemment de très très grande frontalité qui réclame beaucoup d'explicite. On est traversé par des injonctions qui sont parfois extrêmement contradictoires. C'est-à-dire on va confier parfois aux acteurs de la culture un rôle de transformateur de la société, comme si on était finalement une courroie de transmission. Et toute la question de la relation politique se pose là. C'est-à-dire quand c'est une démarche proactive, délibérée d'une équipe artistique qui a construit un projet autour de cette chose-là, ou quand ça rentre dans la commande publique, c'est plus du tout le même rapport. C'est plus du tout le même rapport, et ça revient à se poser la question de ces mots valises, finalement, dont on ne sait plus vraiment ce qu'ils veulent dire, où finalement la question de l'émancipation va être posée sans qu'on définisse jamais de quoi on doit s'émanciper. Alors chacun va se faire une définition propre, avec conviction. Mais dans l'interaction avec le politique, ça peut devenir problématique, et on le voit évidemment de plus en plus à l'œuvre, avec une intrusion du politique de plus en plus forte dans la liberté de création, à plein d'endroits, avec une volonté de s'emparer de l'outil culture ou de l'outil création dans une logique communicationnelle. Il y a cette théorie des nudges en communication qui est comment induire des nouveaux comportements et des nouveaux usages sans avoir finalement à l'énoncer. Finalement, on est un peu pris dans cette situation-là. Et moi, la question que je me pose le plus souvent, confronté à cette ambiguïté de notre place, notre rôle et de comment on se positionne à l'intérieur de tout ça, c'est que finalement, on s'empare quand même globalement plutôt de choses progressistes, on va dire, enfin qui nous semblent être progressistes les uns et les autres, avec des engagements qui nous sont propres. Et on donne très souvent à voir des représentations du monde qui sont des mondes qui auraient changé. Alors que les structures de la société dans laquelle on vit ne changent fondamentalement pas du tout, voire sont soumises à des courants réactionnaires très très forts qui s'opposent au mouvement qu'on impulse. Et notre situation, elle commence à devenir intenable de ce point de vue-là. Je dirais là, pour le coup, pas uniquement en tant qu'artiste, quand on dirige une structure. Finalement, comment se positionner par rapport à ça, par rapport à des injonctions contradictoires, à la fois d'accompagner des mouvements de transformation du monde et en même temps
de faire face seul sur le terrain à des vagues réactionnaires qui s'y opposent violemment et frontalement. Pour rebondir sur ce que vous dites, on a dit qu'on se voyait, que notamment par exemple, enfin, moi je sens par exemple une prolifération des projets de territoire et qui est, c'est pour moi aussi une vraie question en tant qu'artiste, c'est-à-dire à quel endroit, à certains endroits, on se retrouve à avoir des moyens pour travailler dans certains territoires qui sont complètement dévastés et où les associations qui, eux, travaillent, les acteurs sociaux, n'ont rien. Et donc, pareil, la question entre et la culture et les acteurs sociaux et l'État dans tout ça. Enfin, moi, il y a vraiment des fois des questions de place en tant qu'artiste que je trouve extrêmement gênante et même presque condescendante et que j'adorerais qu'il y ait une table ronde enfin, autour de cette réflexion-là, même si c'est un nécessaire. Mais je voudrais juste, pardon, si j'ai le temps, questionner aussi sur... Parce qu'en fait, quand on parle de participatif, la manière dont c'est dit... En fait, c'est, je pense que déjà ce mot... Il est assez intéressant parce que si on met spectacle participatif, moi j'ai de suite l'impression que je sais pas, je vais faire comment ça s'appelait ce truc avec les taureaux là dans les piscines. Non mais je veux dire, enfin ça, non mais c'est un truc interville et que voilà, oui, voilà. Ah, non mais participatif, mais ça c'est peut amener ça. Et c'est pour rebondir aussi sur ce que disait Noémie, c'est que il me semble que vraiment c'est très intéressant de savoir qu'est-ce que veut dire ou qu'est-ce qu'on veut dire ou est-ce qu'on a envie d'utiliser ce mot-là dans nos créations, parce que déjà il y a quelque chose de très volontaire, il y a une grande volonté en disant c'est participatif, et que donc il me semble que dans nos écritures il y a vraiment, et c'est là où commence pour moi la place de la politique dans notre travail, enfin même si évidemment tout est politique, tout acte est politique. Mais que voilà, je sais pas si j'aurais par exemple envie de dire que ce que j'écris est participatif. Ce qui m'intéresse, c'est plus de dire que, comme on parlait de failles ou de trous ou d'accidents, comment effectivement on essaye de réfléchir à comment laisser la place à l'intérieur d'une écriture. Et ça se fait pas, mais et si ça se fait pas, on est dans la merde. Et ça nous amène aussi à nous-mêmes devoir être dans une autre forme d'écriture, mais de toujours aussi interroger. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce dont je parle un tout petit peu dans ce que la vie, c'est aussi la place de la culture face au reste du monde. Et comment, à quel endroit on est nous aussi, quand il y a eu par exemple cette histoire des gilets jaunes, hein, pardon, mais parce que c'était quand même intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu au Centre National, au Théâtre de la Cité à Toulouse, donc il y a eu toute la halle qui a été prise par les gilets jaunes et donc notamment aussi des metteurs en scène, et à un moment donné, une metteur en scène que je ne citerai pas, qui quand même m'a dit, mais quand même c'est extrêmement gênant, vous n'allez jamais au théâtre. Bon, et donc là, tu te dis, putain, on en est où, quoi, en fait, quoi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, on en est où, nous aussi, dans notre monde. Et moi, ça a été aussi une des raisons, pardon de le redire, et pourtant, Dieu sait que je suis une grande spectatrice, mais la colère que je peux avoir à certains moments, mais du décalage total entre un certain milieu culturel et le reste du monde. Et donc ma joie aussi, pour le coup, de comprendre pourquoi je suis dans la rue et qu'est-ce que j'ai envie d'inviter, mais surtout d'inviter comme écriture, c'est-à-dire, et quand on parle d'élitisme, c'est-à-dire juste de se dire, on monte tous, mais tous ensemble vers le haut, quoi. Et qu'on n'est pas obligé, et que, pardon, mais je vais encore juste dire un mot, parce que je pense que si, par exemple, dans ces endroits-là, on a besoin d'aide, c'est parce qu'on est de plus en plus en train de virer, et je veux pas faire un jugement à la con, mais c'est, pardon, je parlais mal comme ça, mais de dire que beaucoup de festivals, surtout avec beaucoup moins de moyens, donc ça devient de plus en plus de l'animation, et que s'il y a bien des lieux qu'il ne faut pas perdre, et où la littérature, la pensée politique, enfin, ce sont des lieux extrêmement intéressants, et où, enfin, en tout cas, moi qui viens vraiment d'une génération où quand j'étais au théâtre, c'était pas au théâtre que j'allais, mais c'était dans les squats où il y avait une écriture, une joie à la création, sans justement être au service d'une certaine institution. Je me permets, parce que tout à l'heure,
j'ai entendu dire, mais pardon, hein, et c'est vraiment parce que ça, je trouve ça intéressant, vous vous êtes justifié tout à l'heure par rapport aux acteurs que vous preniez dans les habitations en disant c'est des acteurs de qualité du réseau national. Voilà. Mais non, mais il n'y a pas de souci, en fait. C'est juste... Ouais, voilà. Mais je veux bien. Parce que effectivement, le réseau national est aussi un réseau qui met en marge une autre partie, en tout cas, de gens absolument incroyables qui refusent aussi, pour certains, d'être ce qui les met dans une précarité folle, mais qui est aussi un choix politique. Donc, pardon, hein, mais parce que c'est pour moi une vraie question, c'est-à-dire en tout cas, qu'est-ce que c'est aussi le participatif culturel, c'est-à-dire comment on travaille ensemble? Ça va peut-être rejoindre une question, et ce sera sans doute la dernière, parce que je vois que l'heure avance. Une question, évidemment, qui taraude, puisqu'on parle de création participative, qui fait écho à la démocratie participative, à ces modalités de représentation qui sont le fruit de processus participatifs. On a envie de poser la question, est-ce que, ça peut rejoindre peut-être celle que vous posez, est-ce que ça contribue finalement peut-être et à la démocratisation culturelle et à la démocratie culturelle. Est-ce que ça fait le lien, justement, entre ces deux aspects? Alors, je réponds à la première question, mais qui rejoint complètement ce que vous venez de dire. Nous, au contraire, depuis 13 ans, moi, je travaille sur la question de l'horizontalité. L'horizontalité et le rapport de confiance entre les habitants, les artistes, le théâtre, l'équipe de la poudrerie et puis tous les acteurs, justement, quand on fait venir des chercheurs, des philosophes, des sociologues, etc. Il n'y a personne que je veux mettre au-dessus, qu'on met au-dessus d'un autre. Chacun intervient à l'endroit de son expertise. Pourquoi j'ai précisé comédien du réseau national? C'est parce que depuis 13 ans, maintenant, ça s'est calmé parce que c'est devenu plus à la mode, la question de la participation. Mais quand on a commencé il y a 13 ans, on nous disait, mais de toute façon, ce que vous faites, c'est du théâtre amateur, c'est pas du tout de qualité artistique. Donc il a fallu, au contraire, dans un premier temps, avoir un vent contraire et faire venir des gens, presque des têtes d'affiche du théâtre subventionné. J'exagère un peu, mais c'était politique pour de faire ça et de dire, vous venez, est-ce que vous voulez venir participer à ce projet-là pour montrer qu'on travaille avec une grande exigence artistique? C'est pas parce qu'on travaille sur la question populaire avec les habitants et que pour nous c'est au cœur du projet, parce que moi je suis complètement d'accord avec vous, il faut on a un problème de hors-sol encore, où on doit essayer de créer du lien entre le milieu culturel, les habitants des territoires, etc. Et donc là, c'est vraiment, ça a été au début, ça a été juste pour faire un pied de nez à cette question-là qu'on nous a beaucoup reproché. Et de nous dire aussi, ah mais la participation, ah bon, mais vous racontez que des histoires qui intéressent que les sevranés, autrement dit, quasiment on était soupçonnés, c'est affreux, mais de parler de communautarisme, de problèmes communautarisme, de communautaristes, etc. Ce qui n'est absolument pas la question. On part d'un échantillon de la population, en plus qui est très riche, sans nationalité d'origine, qui est très représentatif. Voilà. Et après, on peut travailler en plus en lien avec des milieux ruraux et travailler notamment, on avait fait un spectacle qui abordait la question des gilets jaunes et on avait travaillé avec des habitants aussi de Poitou-Charentes. Et j'ai pas répondu à la deuxième question. Et ce lien justement avec la démocratie culturelle, donc qui est étroitement lié avec les droits culturels, hein, dont qu'on a évoqué très rapidement tout à l'heure, et qui va avoir une autre vision du rapport de la culture. D'abord une autre définition certainement de la culture que celle qui prévaut dans la vision de la démocratisation culturelle, mais les deux sont souvent opposés alors qu'ils peuvent être complémentaires. Est-ce que vous avez le sentiment de contribuer à travers les process que vous menez, mais ça va aussi pour Maya, pour
pour Joris Mathieu et pour notre pour Noémie. Est-ce que vous avez l'impression que ces évolutions de la représentation contribuent à une démocratisation, une démocratie culturelle, même pour reprendre l'exemple que citait Joris Mathieu à propos d'Hikokomori, c'est-à-dire que il n'y avait plus pour les jeunes l'obligation de se conformer à un jugement de goût qui aurait été formulé par les adultes. Donc on est sur une autre définition finalement, un autre rapport à la culture. Et après, deux questions, puis parce que je vois l'heure qui file et je ne voudrais pas abuser. Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour dire ça, mais en effet, je pense que au-delà de la forme, la question du lieu est la plus, est la plus centrale. C'est vrai que c'est les festivals dont tu parlais qui sont implantés dans les villes, des démarches locales qui font que les gens se sentent concernés parce que c'est chez eux et c'est pas l'édifice implanté dans leur ville auxquels ils n'ont pas accès. C'est tout ça, en fait. Je pense que je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais c'est vrai qu'il me semble que le plus difficile, c'est d'entrer dans un théâtre et de s'y sentir à l'aise en tant que spectateur quand on n'a pas cette habitude. Et le fait de déplacer le théâtre ou le fait d'impliquer des habitants peut permettre de passer un premier pas et de peut-être changer... des habitudes culturelles, mais c'est vrai que j'ai l'impression dans ce qui a été dit qu'il y a une espèce de... Il y a eu des évolutions dans les politiques culturelles et qu'il y a une espèce de tiraillement entre il faut parler aux gens et en même temps il faut que ce soit de... il faut que l'argent public aille aux populations et en même temps il faut que l'institution ait son titre de noblesse... Donc c'est des questions compliquées et je trouve qu'ils mettent les artistes parfois dans des positions difficiles où il y a des démarches qui sont vraiment sincères, pensées, d'autres qui sont un peu faites parce qu'il y a une demande d'être impliqué sur le terrain, mais qui... il me semble que... Oui, toutes ces questions sont des questions aussi d'économie et de politique de spectacle vivant. Joris Mathieu, vous dirigez un centre dramatique national avec une activité hors les murs très importante. Là aussi, il y a ces enjeux d'aller à la rencontre d'eux, de proposer d'autres modalités de rencontre autour de la représentation. Oui, je crois que l'enjeu, il est pas nouveau. Il est quand même né avec les politiques culturelles, mais ça a changé d'échelle en permanence. C'est ça qui est complexe à gérer aujourd'hui. C'est-à-dire que les politiques culturelles ont essayé d'apporter des réponses de proximité culturelle avec un maillage territorial qui s'est développé de plus en plus. Et finalement, on peut aussi des fois se raconter l'histoire dans un autre sens. C'est-à-dire on peut aussi se raconter que l'appétence pour la culture ayant augmenté, on a envie toujours plus d'hyper-proximité. Les paradigmes ayant changé aussi entre ce qui a été pensé à une époque où on a voulu implanter des lieux qui rayonneraient sur des bassins de population très larges, et puis une époque dans laquelle on se trouve aujourd'hui qui nous incite plutôt à nous poser la question des mobilités aussi. Donc tout est en évolution permanente. Donc la nécessité d'aller vers, elle est toujours réelle. Je ne suis pas toujours convaincu que le fait d'aller vers amène nécessairement à un retour dans le lieu. Je pense aussi qu'on doit regarder comment on vit. Et je parlais tout à l'heure de la question du numérique et des usages du numérique. Les usages du numérique ont amené une révolution aussi dans nos vies, qui est la consommation à domicile de contenu, qui s'est accentuée et qui va aussi dans le sens de bien vouloir voir des choses qui se déplacent chez soi, mais aller vers est plus compliqué. Regardez aussi le rapport au temps et à notre capacité de concentration sur des objets artistiques ou des contenus tout simplement visuels.
le théâtre, le lieu de spectacle, c'est aussi un des endroits où finalement, un des endroits dans la société où on n'a pas la maîtrise de son rapport au temps. Où on n'est pas libre de sortir. Tu parlais, vous parliez de la rue tout à l'heure. Avec cet espace qui est finalement un espace passant où on sait que finalement on peut partir à tout moment. Et le théâtre n'offre pas cette réalité-là. Donc c'est aussi des entraves à la venue dans les lieux. Puis après, on a évidemment beaucoup de questions à se poser sur comment faire en sorte pour que le fonctionnement des lieux culturels se transforme, soit accompagné financièrement, c'est des questions de moyens aussi, mais pour qu'ils aient d'autres usages. Se sentir à l'aise dans un lieu, c'est aussi le fréquenter autrement, par la bande, parfois pas immédiatement pour y voir un spectacle, mais pour autre chose. Les missions qu'on a apportées quand on dirige un lieu nous invitent plutôt à privilégier le soutien à la création, et heureusement, vu les temps qui courent et la difficulté que les équipes artistiques ont aujourd'hui à produire des œuvres. Mais on devrait pouvoir développer tout un tas d'autres choses. On devrait pouvoir être à la confluence de plus d'usages. Parce que ça, c'est la clé, en fait, de l'appropriation par tout le monde du lieu. Donc la question du aller vers, elle se pose. Mais je ne crois pas que ce soit non plus l'alpha et l'oméga qui va régler la problématique du sentiment d'éloignement ou d'exclusion a priori des lieux. Puis une dernière chose, pardon, mais c'est une réflexion que je me faisais récemment, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui, à mon avis, joue aussi par rapport aux lieux de spectacle vivant. Je me posais la question par rapport aux musées, par rapport aux médiathèques, par exemple. Les gens ne se posent pas vraiment ces questions-là par rapport à un musée ou par rapport à une médiathèque. C'est un lieu qui appartient à tout le monde parce qu'on comprend que ça conserve quelque chose qui est accessible à tout le monde. Alors que le lieu de spectacle, alors je vois, on en parle, je veux bien avoir des retours là-dessus, mais le lieu du spectacle, c'est un endroit où se présentent des choses de manière très ponctuelle. Et c'est quand même pas du tout le même rapport. Les gens arrivent à percevoir qu'il y a un service public de la lecture, mais sur le spectacle vivant, on nous perçoit rarement comme un service public. On pourrait nous louer. Je vous propose, si vous avez une ou deux questions avant de conclure cette rencontre passionnante. Et, j'avoue que vous avez été très concentré depuis les 2 heures que nous avons entamé cette discussion, sans doute que nous n'épuiserons pas. Le terme de la représentation, de la démocratie participative, de la démocratie culturelle, tout ça sont des questions assez vastes. Oui, bonjour, Stella Serfati, compagnie Théâtre des Turbulences. Oui, je voulais juste répondre par rapport à cette histoire de spectacle participatif. Moi, depuis 2016, je fais des spectacles pour spectateurs actifs et créatifs. C'est le seul mot pour l'instant que j'ai trouvé qui me permet de dire que le spectateur n'est pas pris en otage. Le spectateur, alors ça demande beaucoup de recherche puisqu'on a été beaucoup soutenu par la région de France par rapport à cette vision. Ça demande des étapes de travail vraiment énormes par rapport à un spectacle normal parce qu'on doit créer un spectacle avec spectateur, sans spectateur. Donc on fait des étapes, on crée le spectateur même sur un des derniers spectacles, le spectateur devient créatif, c'est lui qui finit le spectacle. C'est d'après Henri David Thoreau. Et donc, je n'ai pas trouvé d'autre mot que spectateur actif et créatif et non participatif. Voilà, c'était juste pour ce partage. Merci pour cette précision. Bonjour, je m'appelle Sandra Laredo, chorégraphe et comédie musicale. Bon, j'ai fait des études à Paris 8 sur le théâtre et j'ai fait des études à Paris 1 sur l'économie monétaire internationale. Donc, il y avait les deux mondes qui se confrontaient et j'ai posé la question justement de l'élitisme versus
Enfin, ça rentre pas dans votre cadre de, mais ça, quelque part, ça le rattrape. Du populaire versus élitisme, parce que justement, quand on rentre dans un domaine politique, comme moi, j'avais fait un travail sur les taux de change, le flottement des monnaies, et puis c'était le rapport entre Nixon et De Gaulle. Il y a eu un rapport où ils ont arrêté l'or comme base de monnaie. Et moi, j'avais dit à mon directeur de thèse, j'avais fait mon DEA, qui à l'époque était un vieux monsieur de la vieille France, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est les rapports humains qu'il y a derrière les décisions qui sont prises politiquement. À savoir pourquoi De Gaulle a demandé à Nixon de lui montrer qu'il y avait autant d'or à Fort Knox que les dollars qui circulaient dans le monde, enfin en France particulièrement. Et à ce moment-là, Nixon a répondu « Non, on va flotter les monnaies, on ne vous répondra pas parce qu'ils n'avaient pas, en fait, ou on ne sait pas. » Donc, quand j'ai proposé que ma thèse, ce soit une comédie musicale sur les rapports entre De Gaulle et Nixon, bon, bah, il m'a ri au nez et il m'a dit « Vous voyez la porte, elle est là, prenez-la. » Donc, je l'ai prise, voilà. Ensuite, je me suis retrouvée à Paris 8 avec Michel Bernard, Michel Vinavert. Enfin, c'était théâtre et danse. Et là, j'ai proposé à nouveau à mon directeur de thèse qui s'appelait Michel Bernard et qui faisait un travail sur la phénoménologie de la perception, le corps, etc. Donc, c'était très compliqué. Et j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la danse de comédie musicale de Fred Astaire. les années 30, etc. Donc. Et là, il a été d'accord. Donc, j'ai eu la chance, j'ai été envoyée aux États-Unis avec une bourse, etc. Et quand je suis arrivée en Amérique, avec les universités américaines, ils disent, oh, les Français, ils sont cool quand même. Ils donnent de l'argent pour qu'on fasse une thèse sur le travail populaire, parce que la comédie musicale, c'est considéré comme un art, l'art du pauvre. Et moi, j'ai constaté, en écrivant mon livre qui s'appelle Fred Astaire, Dancing in the Sky, que finalement, la dépression économique et tous les problèmes qu'il y avait à l'époque, ils sont décrits d'une façon très claire, à travers les paroles déjà d'Irving Berlin, qui disait « Ne vous suicidez pas, mettez vos chaussures et dansez ». Et puis Fred Astaire qui commence en disant « Le monde peut s'écrouler, mes actions peuvent tomber en bourse ». Moi, je m'en fous, je danse et je ne veux pas être dérangée. Donc, quand j'essaye de montrer qu'on peut écrire pour expliquer le monde de l'économie et le monde dans lequel on vit, qui est quand même un monde extrêmement ésotérique pour les pauvres gens qui n'y comprennent plus rien, même la guerre, on n'y comprend plus rien. Moi-même, quand j'ai regardé un film sur Netflix qui s'appelle Féoda, j'ai enfin compris plus ou moins ce qui se passait entre Israël et la Palestine. Et donc, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait justement un lien entre ces deux mondes. Et je ne sais pas comment participer à des débats et à des créations. Voilà. Alors, effectivement, votre préoccupation est un petit peu en dehors du sujet d'aujourd'hui, mais peut-être qu'elle pourra nous donner des idées, voilà. Hein, pour de futures créations. Je veux dire que ça me parle, puisque j'ai une formation d'économiste au départ. Voilà. Donc, tout mène à tout. Alors, sauf s'il y a une burning question, c'est une question qui vous brûle les lèvres, eh bien nous allons nous séparer sur cette proposition de sujet à venir. Je vais remercier très chaleureusement les unes et les autres pour la qualité de vos interventions. Merci beaucoup de votre écoute.